Quelle incroyable musique! Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour, bonjour, bonjour à tous! Ça va les mecs? Ah, j'étais occupé, je faisais caca. Non, c'est faux en plus. Non, je faisais même pas. Non, j'étais juste. Alors, pourquoi j'étais en retard? J'étais en train d'organiser mon futur appartement. Voilà, parce que voilà, je suis en train de penser à déménager l'année prochaine, et puis j'étais en train de regarder un peu ce qu'il y avait de disponible et comment j'allais m'organiser par rapport aux meubles. En tout cas, salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite et fin hein, finalement de Pokémon, enfin disons de l'aventure, hein. J'en ai pas fini avec ce jeu évidemment, mais voilà, on a notre magnifique équipe qui est prête et nous allons tout simplement aller finir le jeu parce que c'est vrai que on n'a pas tout à fait fini. Il nous reste quelques petits trucs à faire. Il nous reste à explorer en fait ces zones, notamment à faire le mont Abrupt. Hein, c'est ce que j'aimerais bien faire. Et il y a aussi le manoir Pokémon avec Motisma que j'ai pas fait. Si j'ai le temps, j'aimerais bien le faire. Alors évidemment, hein, comme d'habitude, quand je commence un live sur YouTube, n'oubliez pas que le live va se déconnecter de manière automatique dans quelques minutes. Et du coup, quand ça arrivera, eh bien, au lieu de spammer bug, vous pourrez juste dire recharger la page. Ah ouais, carrément, ouais, avec ma grosse B. En tout cas, voilà, donc on va explorer un peu l'aire de combat, hein, que je ne connais pas, hein. Pour le coup, je ne l'ai jamais exploré, donc je suis vraiment très très chaud à l'idée d'explorer ça, et je vous propose de partir tout de suite, hein. Ah ouais, avec la musique, putain, c'est vrai qu'il y a la musique trop bien. Ah oui, c'est vrai, on avait commencé déjà. Et puis alors, j'étais allé chercher un Pokémon hein, pour attraper Togepi. Hein, mais bon. Tu as 4 Zarkrai. Non, pas encore. Alors, on a des combats doubles ici. On va se mettre quoi, là, qui va être très fort? On va se mettre... je pense Pizza et Napoléon, c'est pas mal, non? Et alors, une fois qu'on aura fait normalement cette zone, on pourra affronter la Ligue. Vous savez, t'as la Ligue ultime avec... la fameuse Cynthia en mode hyper aggro avec la ligue et tout. On essayera de le faire en mode sans objet, comme on avait fait la dernière fois, hein, évidemment. Allez, c'est y part. Babi Mental, Loupio, let's go. Ah merde, mais attends, ça absorbe ce truc. Je sais pas si ça va marcher du coup. 5 FPS. Ah oui. Ah, le bug là, il est pas encore là, je pense. Il arrivera dans quelques musiques. Toujours en Nuzlocke. Dans les faits, le Nuzlocke, il est gagné, donc... on peut faire en Nuzlocke, hein, si vous voulez. Hein. Ah, merde, y a pas les animations. Bon, attends, il faut qu'on remette les animations. Pensez à remettre les animations. Fidrong, pense à remettre les animations. Donc voilà, on est tranquille, là, on est sur la fin, évidemment, hein, de la grosse période de hype. Donc ça va être un live un peu plus posé, je pense. Mais je pense qu'on est plutôt bien... Tous ensemble, hey, hey, hey. Ah oui, d'accord. D'accord, bon, admettons. Bon, on fait la même chose. Tac. Et ça, je crois que ça donne beaucoup d'XP des mantas, non? Ou je me trompe? Allez. Ah non, ça donne pas beaucoup d'XP du tout. C'est peut-être Lanthune qui donne beaucoup d'XP, je sais plus. Nuzlocke, s'il te plaît. Vous inquiétez pas, je vais faire en sorte de pas perdre de Pokémon comme d'habitude, mais c'est juste que bon, voilà quoi. Prépare la vaseline pour le combat contre Cynthia et Moticonker. Ah, le fameux combat contre Cynthia et Moticonker. Merci beaucoup pour ton don et le bug des 5 minutes qui est là, enfin. Voilà, on était allé là l'autre fois, hein, évidemment, pour choper un Togepi. Alors, repousse Max. Ah, le bug des 5 minutes, évidemment. Hein. Tac. Ah, c'est un super moment ici. Bon, j'en ai déjà plein, donc... J'ai dû abandonner ma soirée de rêve avec ma meuf juste pour spammer tabouret.
Incroyable. Alors, si vous avez abandonné votre meuf, n'hésitez pas à spammer tabouret, évidemment. Les animations! Oh là là, j'ai vu trop tard. Il y en a une personne qui l'a dit, mais il avait, j'ai oublié. Ça y est, maintenant, les gens le disent, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le décalage, les mecs, le décalage. Eh oui. Ah ouais, en plus, oh là là, c'est tellement long de jouer avec Napoléon à cause de toutes ces animations. Les, l'intimidation, le fait qu'il m'aime, il me fait bravo ce connard là. Tabouret, ah! Et si on regarde en couple et en fond? Ah bah là, ça compte pas du coup. On va remettre les animations. Animation, 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 fidon. Animation, 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 animation. Animation, 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 animation. C'est bon, là j'y pense. Là je n'oublie pas. Youssef le nageur. Incroyable, quelle force! Ah, Youssef le nageur est vaincu. Alors, les animations de combat avec. Voilà. Oh là là, attention! Je les esquive, je les esquive. Est-ce qu'il y a moyen de se les taper à deux? Non. Bonne année 2015. Alors, du coup, le programme hein, de... Je profite que vous soyez là hein, pour vous, voilà, vous donner le programme. Le programme de la fin d'année. Donc du coup, ce lundi, du coup, on fait ça. Mercredi... mercredi, on fait quoi? Mercredi... Alors demain je fais du super séduceur avec Lady Sunday sur Twitch. Si vous voulez voir de la séduction incroyable. Mercredi je commence le Pokédex. Mercredi je commence le Pokédex. Et du coup il n'y aura pas de live vendredi. Mais par contre il n'y aura pas de live vendredi. Mais samedi il y aura le live de Noël. Samedi soir. Samedi 25 au soir il y aura le live de Noël. Attends, je veux faire des combats doubles moi. Les combats doubles. Voilà, samedi soir il y aura le live de Noël et lundi prochain tour de combat en mode expert. J'aimerais bien finir la tour de combat en mode normal. Du coup, j'essaierai de la faire sur Twitch parce que bon, je veux pas faire un live spécial pour ça. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On n'était pas censé chasser Biton Bras. Si, mais comme on a fait double chasse pour Biton Tron, je pense que on va. Putain, c'est tellement long. Je pense qu'on va y aller plus. Attends, mais en vrai, Terraclops, jamais je le tue, non? Bon, on va voir. Il est niveau 55, peut-être ça passe. Je pense pas que ça passe en vrai. Hein. Ah, si, ça. Oh! Ok. J'ai rien dit! Bon, on a 30 niveaux d'écart, hein. C'est vrai qu'ils sont pas très haut niveau, hein, ici, hein. Donc voilà. Pas de biton trône. Pas de chasse de biton bois, du coup. J'en ferai. Je ferai en janvier, je pense. C'est toujours prévu de le faire. Oh! Intimidation land! Kirlia, vous trouvez pas? On dirait qu'il a envie de faire pipi. Il est en mode ah ah i ah ou ah vite 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 vite. Non. Putain. Voilà, c'est tellement long les animations. En vrai, le combat double c'est peut-être pas le mieux en fait. Allez, laser glace, tonnerre de Brest. T'es trop haut niveau, c'est trop facile. Ouais, comme ta mère. Ça veut rien dire. Si, ça veut dire complètement. Oui, oui, ta mère est trop facile. Oui, non. Blague validée, mais j'ai changé. On est plus rapide que Dratak avec Tritosaur. Ce qui est plutôt mauvais signe pour l'adversaire. Ouais, c'est vrai qu'on peut one-shot surtout. Ouais, c'est vrai qu'on est trop au niveau. Bah, après, j'y peux rien, moi, s'ils te mettent ça. Ah oui, mais non, c'est parce que c'est accessible après la ligue. Alors que moi, j'ai déjà refait la ligue une fois. C'est vrai, j'avais complètement oublié ce détail de l'histoire. Alors, là, on peut faire coupe. Ça te la coupe, hein. Non, mais j'ai changé. Plus de bacs sur les mers. Oh, tissu fauche.
Bon, on blinde les repousses, hein, de toute manière. Oh là là, c'est impossible de courir ici. Pourquoi c'est impossible? Il y a un monsieur là, c'est louche. C'est Tonton Pépite! Une pépite! Merci beaucoup. Oh, ça, vous savez ce que ça me donne envie de faire? Ça me donne envie de manger des pépitos. C'est quoi ça? Je consacre ma vie à la protection de la nature. J'ai cru que c'était un autre moi. Ismaël, le Pokémon Ranger, envoie un Spinda. J'ai vraiment pas rigolé, je suis vraiment désolé. Si vous avez pas rigolé, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, je vous explique ce que vous pouvez faire. Si vous avez vraiment pas rigolé, hein. Seulement si vous avez pas rigolé. Mais si vous avez pas rigolé, je vous propose officiellement. Ok, écoutez bien. Vous voyez là, vous pouvez faire la croix qui va quitter ce stream. Et une fois que vous avez fait la croix, vous pouvez aller voir un contenu plus approprié à votre humour. Donc si vous n'avez pas rigolé à mes blagues, je vous propose une vaste variété, hein, de youtubeurs. Je vous propose Michou, Inoxtag, ou Dédé Crotte de Nez. C'est peut-être plus adapté à votre âge. Pardon, excusez-moi, je voulais m'excuser, c'est vrai que... J'essaye de changer, vous savez, les mecs, mais c'est pas facile de changer, tu vois. Tu changes pas comme ça instantanément. Non, t'inquiète, merci beaucoup. Tu veux dire, c'est toi qui avais eu, qu'en avait eu plein, on est d'accord. Oh là là, regardez. Oh, des baies. Des béquelottes. Oh là là, c'est les béquelottes. Non, mais il y a plein de youtubeurs qui sont très drôles. Par exemple, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a Norman fait des vidéos. Bah, il fait des vidéos, figurez-vous. Et genre, il fait des blagues, genre, il fait... Genre, vous avez remarqué, les filles, elles sont gentilles avec les mecs. Et après, il fait... Faux! Et du coup, en gros, ça veut dire que les filles, elles sont pas gentilles avec les mecs. Ah, c'est... Regardez, il y a un truc là, il y a un truc, c'est... Un gros champi. Bon, sinon, je peux faire des blagues comme Norman, hein. Je peux faire... alors, parfois, les filles... je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, elles t'envoient un SMS, et genre là, elles te mettent un vu, et t'attends... Et là, tu dois faire le sketch, là, genre. Ah, merci pour cette jolie soirée. Vu. Et là, ok, là il fait jour. Et là, fondu. Et là, il fait nuit. Et le mec, il est comme ça. Et ça fait vu. Et là, du coup, ça fait rire. Ah, putain. Ah, je tiens un truc. Allez, 10 millions d'abonnés, let's go. Pardon, excusez-moi. Je voulais m'excuser envers Norman. Alors, un dresseur irait n'importe où. Je fais des pieds et des mains pour que mon Pokémon Suri soit le plus beau. Comme ça, il m'aimera encore plus. Des pieds et des mains? Pour qu'il t'aime encore plus? Quel poids s'il n'y a pas de boutique ici? Ah là là, c'est terrible. Oh, des Bémépo. Qu'est-ce qu'il y a comme autre youtubeur qui est extrêmement drôle en ce moment? Bah, il y a les chaînes de politique, c'est drôle, hein. Non, non, faut pas parler de politique. Interdit. Wow, il y a des gros sous-terres. Wow, il y a un arbre! Incroyable. Regardez cet arbre. C'est vraiment fou, hein. Pourquoi il y a un arbre? Oh! Je suis pris un jumpscare. À quoi? Oui, calme-toi. Quand est-ce qu'ils vont mettre Aquaquack au psy? Je ne sais pas. Un jour, j'aimerais bien quand même. C'est triste qu'il soit au pur en vrai, ce Pokémon. Je comprends pas. Je comprends jamais compris pourquoi il n'était pas au psy. C'est littéralement la description du Pokédex, c'est il est au psy.
Ah, mais je m'enrichis à vue d'œil. Oh, il y a une piscine! Attends, mais il y a une maison aussi. Mais non, mais je suis con, je suis allé dans la maison, il y avait la meuf. Ah non, attends, quoi? Mais non, je suis pas allé dans la maison. Tant que j'ai ma télé, je suis heureux! What? Mais puis la merde, il a dit tant que j'ai ma télé. Mais attends, mais littéralement chez lui, il a une télé, une table. Genre, tu peux même pas t'asseoir, mec! Les maisons dans Pokémon, c'est un peu sad. Hein. Je suis pas allé dans celle-là aussi. Je suis pas allé dans les maisons encore. Je sais pas ce qu'il y a. Hein. La relief et la météo sont beaucoup moins hospitaliers ici qu'ailleurs. Oh là 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 là, incroyable! Quand je serai grand, je serai un dresseur. Ouah, les meilleurs dresseurs du monde! La meilleure blague que tu peux faire est de la fermer. Oh! T'as dead ça, chacal! Si je reste constamment dans la piscine, crois-tu que je vais fondre dans l'eau comme un aqualique? Ça fond dans l'eau? Okay. Alors, il y a quoi ici? C'est quoi? C'est les concours, non? Ah oui, c'est les concours, mais en mode les concours haut niveau, je crois. Je suis navré. Oh, c'était... C'est plutôt que crème de la crème. Vous devez posséder de nombreux rubans. Ah, mais la pute! Ah, je me suis fait têche de l'air de détente! Terrible. Bon, en tout cas, on a exploré là. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la route 228. Alors, il faut que je remette un repousse max. Quelle musique incroyable. Attends, mais il n'y a pas de passage, là, au nord. Comment je passe? Oh, merde! Quand les regards se croisent, c'est le début du... Non, mais attends, mais tu me dis ça, tu m'as pris pour un bleu? Je crois que je sais... Vous savez pas, on dirait... Non, j'allais faire un commentaire sur le physique des top dresseuses, mais après on dit, ouais, dans le film... Car voyez-vous... Ok. Mes bonnes résolutions pour 2022 sont les suivantes. Numéro 1... Ah, c'est trop dur. Hein. C'est trop dur de trouver des bonnes résolutions que tu peux tenir. Est-ce que on pourrait dire que, genre, si je fais une blague sur les mers, je dois offrir 10 subs à chaque fois? Non, mais je vais me désintégrer. Je vais me désintégrer. Ça va me coûter 400€ par semaine. Mais attends, mais... Attends, mais quoi? Je suis pas supposé pouvoir monter, là? Ah non, c'est pas là, pardon. Enfin, c'est un peu plus... Ah, c'est là-bas, je vois. Voilà. Wow, c'est des tempêtes! Chut, chut, je suis dans le noir, il n'y a plus d'espoir. Grandir mentalement. On veut entendre ce que tu penses de la tombe des choses. Non! Après, legit, il y a des gens qui m'envoient des mails en mode... Ouais, Fildrong, t'es pas sympa. Et puis après, moi, je vais faire des réponses super longues. Et après, la personne, elle va jamais me répondre. Vécu? Non. Nah. J'ai jamais vécu ça, moi. Une blague sur les mers, ça comme... En vrai, ce serait marrant que si je fais une blague sur les mers, il se passe quelque chose l'année prochaine. Mais j'ai pas d'idée. Parce que j'ai juré que si je commence à faire en mode si je fais des blagues sur les mers, il se passe ça. Écoute, le respect, c'est pas avec moi que tu vas trouver ton chemin, hein, je crois. J'ai encore beaucoup d'efforts à faire pour que tu puisses trouver ton chemin chez moi. Alors... Oh là là, il y a des combats doubles. Alors, combat double sous le Sandstorm, ça va être infernal. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai deux types sol, c'est bon. C'est vrai que j'ai deux types sol. Oh, je sens que ça va être le bordel, let's go. Blague sur les moments... Un sub offert par Blague sur les mamans, ça me semble un peu plus faisable, mais bon, c'est beaucoup, quoi. Oh.
J'ai très envie de faire séisme, mais bon. On va faire Bull Rock, ce sera plus simple. Non mais ils sont tellement balleux. Non mais attendez, mais ça suffit quoi. Commentaire sur la top dresseuse, s'il te plaît. Bon. Je trouve... Non, 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 vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. J'ai changé. J'ai... Si je fais des bonnes résolutions pour l'année prochaine, je dois changer dès maintenant. Je peux pas... C'est pas possible de préchanger. De préchanger, tu... Enfin, non. Je dois préchanger, voilà. Je dois préchanger. Je dois préchanger, c'est important. Si je préchange pas... Mais non! Oh là là, terrible désillusion. Oh là là! Oh, ça y est, je prends des attaques. Oh là là. Oh non, il a fait la grimace. Il est pas content. Regardez sa tête. Il a l'air tellement au bout de sa vie. Bon, te trompe pas d'attaque, s'il te plaît. Laser glass, c'est à droite. Merci. Laser glass. Lavez tes badges. Si tu fais une blague sur les mers, oh, pff, je vais passer ma vie à laver mes badges. Non, non, c'est terrible, c'est terrible. On va trouver quelque chose, les mecs. Je pense qu'on peut trouver quelque chose. Il a fait mania. Mais pourquoi sur lui, débilos? C'est pas grave, allez. Hop. Ton avis sur la top dresseuse? Non, mais... Ah, ok. Je vais vous faire mon avis 2022 sur la top dresseuse. Je trouve que la top dresseuse a l'air très cultivée. Clairement, on sent qu'elle a appris beaucoup de choses avec ses études supérieures, évidemment. Très important. Les études supérieures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à caler déjà? Bonjour. Ta quête de puissance. Les capacités ultimes. Allez, score. Allez. Ah bah les capacités ultimes dans mon cul hein. C'est quoi c'est les trucs genre frenzy plant et tout. Attends, il faut que j'aille faire du vélo là. Une blague 5 pompes. Ah bah c'est bien parce que comme ça je peux devenir super musclé en vrai. Let's go! Oh, une pierre éclat, trop bien! J'en avais besoin en plus. Alors, attends. Attends, mais est-ce que je vais réussir à faire le truc? Hop! Hop! Ah non, bon, t'as pas besoin. Oh, c'est tellement stylé, regardez! Incroyable. J'y crois moyen. Non mais j'allais dire ça. J'allais dire ça. Les mecs, vous me croyez ou pas quand je vous dis que j'allais dire ça? J'allais dire, hein, la top dresseuse. Oh, je voulais dire un truc sur la top dresseuse. Elle a l'air vraiment très intelligente. Vas-y TG. T'as plus besoin de prendre d'élan. Ouais, c'est bien hein. Allez, Bull Rock. Mais attends, mais c'était un dracologue, il avait un aviator. Ah, c'est vrai que c'est compliqué les dracologues. Hein. Non, je te crois pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie si même ma communauté n'a plus confiance en moi, quoi. Pff, au bout d'un moment... Tiens, une dose de fer. Je manque un peu de fer en ce moment. Attends, mais je suis déjà allé là. Mais attends, mais ça servait à rien, là. Attends, quoi? Attends. Déjà, pourquoi il y a un truc là, en haut, là, où il n'y a rien?
Ouh, une carapace mue. Putain, il y a des objets bien ici, il faut tout ramasser. Il y a des objets stratégiques parce qu'on est sur l'aire de combat là. Non mais. Pourquoi il y a. Attends, mais quoi? À quoi ça sert ça? Ok. Attends, il y avait un truc là en haut là. Non? Les capacités ultimes, c'est par exemple VG Attack qui avait tué Pipomiel. Ouais, bah je. Merci beaucoup de me rappeler des bons moments. Oh, mais un karatéka! On veut le vrai avis sur la top. Ok, d'accord, ok. Je vais vous dire le vrai avis sur la top dresseuse. Mon véritable avis sur la top dresseuse, c'est que. Je suis un peu timide. J'aimerais bien qu'elle ravisse mon cœur. Elle est charmante. Elle a une prestance, un charisme. Elle a vraiment des choses pour elle qui font que. Et oui, il est mort. Hein, tu vois la mort, voilà quoi. Oh, il a bluff. Oh, le sourire qu'il a fait en mode. Ah, je fais bluff. Critique. Il s'en passe des trucs. Électrochoc en blague sur les mers. Non mais ça va, vous voulez que je meure aussi? Oh, il va refaire bluff, ça va être chiant. La Théma, la taille du Hariyama quoi. Il est immense ce poké. J'ai rien dit. Il y a des gens dans le chat qui sont en mode oui, tu veux te la taper. Non, j'ai dit j'aimerais qu'elle ravisse mon cœur. Parce que le problème c'est que moi j'ai changé, mais il faut que la communauté change aussi les mecs. Et ça. Et ça. J'aimerais bien refaire. Voilà, j'aimerais bien. Voilà. Vous la voyez là? Ça donne envie de. Passer des soirées, aller au cinéma, voir la nouvelle vague française. Mais non, mais j'ai mis les pièges de rock. Il a fait relais. J'étais pas concentré. Pointeur drong. Comment ça, pointeur drong? Je suis en train de dire des trucs trop positifs. Hariyama a le même poids que toi. Je suis en train de me retenir très fort de pas parler de sa mère, mais c'est... J'ai dit les mères, ça suffit. Fingrong, tu as changé. C'est un stream positif. Un stream où il n'y a pas d'insultes. À chaque insulte, 1€ dans la boîte à gros mots. Allez, c'est bon. À partir de maintenant, les mecs. Non, les bonnes résolutions. Ok les mecs, je propose un truc. À chaque fois que je commence à partir en couille, vous spammez les bonnes résolutions dans le chat et ça me permettra de rester serein et frais en toute occasion. Voilà, je propose ça. Ouais, on va faire comme ça. Ok. Bon, je crois qu'on a fini d'explorer. Ah non, il reste là. Mais il y avait lui aussi. La top dresseur, c'est ma maman. Tu lui roules quand même dessus. Reste. Focalise-toi. Ok, je vais prendre un pari là. Je dépasse à quoi. Sinon, je suis mort. Bon, en usage, j'aurais switché, hein. Mais bon. Mais débilo, j'ai suicidé mon poké. Il va rater Hydro-Canon, évidemment. Ou il va faire autre chose. Ok. Oh, il a fait grincement, bah c'est sympa. C'est bon, il a fait grincement. Petit passé. Ta mère, si elle passe devant ta télé, tu peux louper facile 3 épisodes.
C'est tellement facile, ce serait tellement facile à chaque fois, mais non. Non, 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 non. Fais longue. Pense à tout ce que tu as traversé. Tu peux le faire. Vous aurez beau me provoquer à faire des blagues sur les mers, ce ne sera pas fait. Non, 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 non. Ce soir, c'est le live où je dois tanker. Je dois tenir. Ok, donc là on est pas mal. On a fini d'explorer là. Bon, je crois qu'il y avait un... Je vais devenir la star du Super Show concours. Waouh. La star du Super Show. Ah mais attends, mais il y a encore des... Attends, mais c'est... Oh, la musique. Oh, la musique de ouf. Attends, mais on est où là, hein? Attends, on est où? Ah. Mais attends, mais là je dois aller à droite. Ah oui, parce que là c'est la route 227, c'est pour Itran. Ok, attendez. Reste calme. Mais c'est quoi ces maisons installées partout? Konnichiwa, guten tag, ravi de te rencontrer, je suis le Meister. Dans ta langue, on m'appellerait l'artisan des mots. Je suis aussi un véritable aficionado de Pokémon. Serait-ce l'amour que je ressens? Toi aussi, tu aimes les Pokémon. Wunderbar, c'est décidé, je vais améliorer ton Pokémon. Quoi? Hein? J'ai rien compris. Mais c'était le Meister. La musique elle est cool en vrai. Petit passier. Lave la top dresseuse. Non. Je laverai pas la top dresseuse. J'aimerais... Non. Non. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non mais là j'ai rien dit. D'accord. Oh là là, là c'est Escalade Land. Quel bordel! Mais d'où? Je voulais faire un combat double. Les cheveux verts. Vous avez vu, je me suis coupé les mecs. Regardez, j'ai un pansement terrible. Ne tenez jamais votre couteau au-dessus de votre doigt. C'est un conseil d'ami. Je sais pas, j'ai eu une absence et ça s'est très mal passé. Prends une douche avec la top dresseuse. Focus. Oh, je l'ai touché une fois, il est mort quoi. J'espère que Itran sera un peu plus haut niveau. Hein. Oh non! Oh là 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 là. C'est bon. Je me frappe jamais dans ma confusion. Vous avez vu, Grolem, il est tellement gros que ça peut même pas tourner autour de lui. Voilà, allez hop là, au revoir. Ah, c'est pas fini? Ah si. Oh, elle s'appelait Louise. Oh, c'était une ornithologue. C'est tout ce que j'ai à dire. Ralentis que... Mais même le jeu, il veut que je fasse des blagues de merde. Ok. Ah non, mais attends, mais je suis obligé de me le taper, lui. Comment vas-tu? Je suis un dracologue. Ah. Petit passier. Lave tes cheveux. Ah ben non, tu n'en as pas égalpé. J'entends pas les rageux. Les rageux ne sont pas entendus. Pidisol, ça tue. Donc, ça tue toute l'année. Ton avis sur Louise, l'ornithologue? Bah, l'ornithologie, c'est un sacré diplôme. Hein. Ça prend plusieurs années hein, pour devenir ornithologue. Donc, félicitations à Louise. Pourquoi tu as mis le chat seulement pour les abos?
Ah, pour les abonnés à la chaîne. Bah, il faut juste s'abonner à la chaîne. Ça évite les pubs. Parce qu'avant, j'avais des gens qui venaient, qui faisaient « Hey, je suis en live sur Fortnite! Viens me voir! Wow !» Ou alors des trucs qui faisaient « Waouh, il me manque seulement 50 abonnés pour avoir les 50 abonnés. Viens t'abonner à ma chaîne. Sur ma chaîne, tu trouveras du Fortnite, du Minecraft et du Fortnite. » Donc bon, du coup, j'ai mis les... Bon, enfin, je veux dire, s'abonner, c'est pas s'abonner en mode tu payes de l'argent, c'est juste s'abonner, quoi. Genre, abonne-toi à ma chaîne, quoi. Moi, je spam les répulsifs, hein. Ok. C'était Egosphere, c'est stylé, en vrai. Oh là là, mais il y a des CT partout. Ornithologue, c'est quoi? C'est pour les ornithorynques? Oui, c'est ça, ouais. En fait, ornithologue, c'est quand tu es scientifique des ornithorynques. Bah, ornitho, hein, évidemment. Hein. Ornitho, donc ornithorynque, et log. Ouais, vous m'aurez pas avec vos blagues sur la mer. Hein. Mais ça suffit maintenant! Vous savez que l'année prochaine, je vais faire un compte OnlyFans. Vous savez, c'est très difficile en ce moment d'être youtubeur. J'ai décidé de me mettre à poil. Il faut bien gagner de l'argent. Hein. Donc vous retrouverez mes photos secrètes. Vous les retrouverez... Ah, on va mettre Xavier Frigo, vas-y, go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé Xavier Frigo. Les bonnes résolutions. J'adore. Merci monsieur Kaka. Des grands moments hein, vos pseudos. Oh là là, mais d'où? Mais le moment où je mets Xavier Frigo. Oh là là. Oh la flemme. Oh, je la mets, je le tue. Même avec la magie. Je suis specs niveau 80, mais bon. Presque. Mais dommage. Bon, ça va, c'est passé. C'est payant ton compte OnlyFans? Non, car mon compte OnlyFans sera gratuit. Par contre, pour gagner de l'argent, je ferai des vidéos dédiées. Genre, vous pourrez utiliser mes services. Comme ça, genre, vous pourrez me dire, genre, ah, Fildrong, c'est l'anniversaire de mon petit cousin bientôt. Est-ce que tu pourrais lui dire bon anniversaire? Et moi, je ferai. Bien sûr. Ça te coûtera 60 euros. Ah, mais il y a l'air de survie ici, attends. J'ai pas fini d'explorer. Et du coup, je pourrais dire salut! Salut Théo! Oh, c'est ton anniversaire! J'espère que tu es content que je t'envoie un petit message, Théo. C'est quoi cet air de survie de l'enfer? Les bonnes résolutions! Ah, façade. Pourquoi le jeu il lance à la mer? Bah, ils ont pris exemple sur la 4G qui était longue. Qui était longue, je suppose. Je suis caméraman. Tu as vu l'émission à la recherche de l'Evita Rouge? C'est moi. D'accord, super, merci beaucoup. Attends, mais c'est quoi cette ville de l'enfer là? T'es obligé d'aller à... Bon, déjà, on a... Bizarre, je suis déjà abonné, émoticône triste. Bah, recharge la page alors. La tentation fifou. Recharge la page. Ornithologue, c'est pour les oiseaux. Mais n'importe quoi! Les scientifiques des oiseaux, c'est pas les ornithologues, c'est les oiseologues! Les gens sont... Allô, quoi! Les gens sont bizarres! Ornithologue, c'est les ornithorynques! C'est pas les oiseaux! Les gens disent n'importe quoi, ça m'énerve. Merci Fifou, moi aussi, je t'aime le X des plus petits que... Ah, tu m'aimes, merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime. L'important, c'est qu'on s'aime tous. Ah merde, attends, mais non. Ok.
Bah oui, les oiseologues, quoi. À chaque fois, vous êtes là, vous savez pas. Faut que je vous apprenne, quoi. Je suis oiseologue, je confirme. Voilà, c'est ça. Ah, y a plein de oiseologues qui confirment, là. Allez, l'aire de survie. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est l'aire de survie mystérieuse. Oh, y a un montagnard. T'as parcouru tant de chemin. J'aimerais te dire que ça en valait la peine, mais ce serait mentir. Quel connard. Parfait. Oh, mais on est bien, là. Ah, mais il me reste une route à faire. Il me reste une route à faire. Et après, on va faire Itran. Utilise escalade sur la toile dresseuse. Oh, ce serait bien. Non, 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 non. Allô? Ah, non, mais ça... Oh, y a des problèmes, parfois, de son. Attends, mais comment je suis supposé arriver là-bas, là? Je peux pas, en fait. Je dois littéralement faire le... Mais attends, mais je dois refaire le tour. Bon, non, je dois monter par là. Ça va. Fais donc, t'es trop pipou, on a envie d'embrasser ton crâne. Bah, les scientifiques qui font les chats, c'est les chatologues. Mais non, mais pas là, attends. Éclate rock sur la toile dresseuse. Non! 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 Fildrong, tu dois te préparer pour 2022. Ta bonne résolution, ne l'oublie pas. Vas-y, repousse. Les oiseologues. Dose de PV+. Oh là là, tellement escalade. Oh, regardez. Le petit passier. Fan sera fait avec ta mère. Le petit passier. What? Bonjour monsieur, j'ai récemment crotté mes toilettes avec un énorme étrou. C'est de pire en pire, là, les mecs, là. Roulade avec la top dresseuse. Pas mal, celle-là. Wouah. Maud et Manon. Hein? Ah, mais merde, j'ai envie de faire séisme, là, en fait. Attends, mais je suis débile. Ah, mais c'est vraiment... Alors, attends, du coup, je prends méga cher. Faut que je mette Ernestine. Ernestine, on l'a pas vu encore. Oh, on se calme, les mecs. On se calme. Vous devez avoir... ok, les mecs, regardez. On a tous changé. Toute la communauté a changé, ça allait changer, et moi le premier. Mais moi je vous ai montré que j'ai changé, maintenant à vous de m'en montrer que vous allez changer. Donc je vous demande officiellement, les mecs, à partir de maintenant, là, vous devez me montrer à quel point vous allez changer. Donc faut que vous disiez seulement des trucs hyper intelligents, hyper hyper smart, genre en mode vous dites des trucs genre voilà qui montrent, qui prouvent. Que voilà, vous n'êtes plus la même personne. Voilà, très important. Allez, est-ce que Bullrock ça tue? Ouais, il va falloir 4 coups. Allez, 4. Oh. Chiant. Wow, il a fait rapace sur Xavier Frigo, mais j'ai évité. Un cuniculteur, c'est ceux qui s'occupent des cunicules. C'est des petits insectes. Pas mal.
Être ou ne pas être, telle est la question. 1 plus 1 égale 2. Ouais, il va falloir faire mieux, là. Vous avez pas d'autres trucs intéressants, là? A plus B plus B plus... Non, non, attends. Les cinéastes du cinéma n'ont pas inventé les gants. Les jeux de soustraction, une séquence de Grundy inutilement ultimement perdue. Parfait! Ça y est, là! On est bien! Oh, les mecs, il y a plein de trucs, là. La troisième loi de Newton, si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force d'égale intensité. Putain, c'est incroyable. Ouais, c'est bon, les mecs. Continuez comme ça. On est en train de leur montrer à tous, tous les gens qui disent que, ouais, la commu salée, machin... la communauté, elle a deux ans... Non! Regardez comme vous savez des choses. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui disent A carré plus B carré égale AB carré, mais bon, c'est pas... Oh, qu'un artichaut. Ok. Ouh. Morsure sur la top dresseuse. Quel est ton meilleur moment de l'année 2021? Plus petit que 3. Le meilleur moment. Et vous allez être content parce que ça parle de vous. Mais calme-toi là avec effort là. Tiens, chais. Le meilleur moment, c'était les 30 000 euros aussi d'action. Quand j'ai hurlé et que j'avais plus de voix. 30 000 euros, commu salé! Oh là là, c'était fou, hein. C'était fou ce moment. Hein. C'était un moment qui était vraiment stylé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Oh là 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 là, les labyrinthes là. Ok, hyperbole. Donc, mon meilleur moment, c'est vous, finalement, de l'année. Attends, mais il y a des trucs partout là. La musique me fait marrer. Attends, il y a un truc là. Ouais, pas plus. Vas-y, j'esquive les dresseurs. Ils sont trop bas niveau. Ils me saoulent. Un rappel. Hop! Oh oh, esquive! Allez, us. Bon, par contre, attends, j'ai oublié un objet. Non, mais attends, mais il me donne une bouteille d'eau fraîche. Mais putain! C'est pas grave. Ah, c'est un CD douteux. Ouais, mais j'en aurais besoin en fait, donc il faut autant que je les prenne, ces objets-là. Après, si on doit refaire la ligue après, autant avancer en vrai. Bon, c'est bon, on va avancer. S'il reste quelques objets, j'irai les chercher plus tard. S'en tape de son chat. Quoi? Je me tape de mon chat? Mais c'est vous qui vous en tapez de moi? Je viens de vous dire que mon meilleur moment de l'année c'était vous. Et les réactions c'est quoi? C'est les choux sur la top dresseuse. Ah bah bravo hein. C'est vous là qui réagissez pas à ce que je dis. Je viens de vous dire que mon meilleur moment de l'année c'était avec vous. Je suis super vexé du coup maintenant. Voilà, bah c'est bon, je boude. Avion, appareil volant imitant oiseau naturel. Ah ah! Vous avez vu, je boude!
Oh mais putain mais... Oh la top dresseuse. Avec la petite combi là. Non non non. Oui non mais la petite combi lui la petite combi montre sa culture. Ouh alors toi par contre. Oh elle a examiné. TG examine vos choix vestimentaires. Mais je t'emmerde. T'as vu ta gueule TG. Oh la Tropius, incroyable. Ce Pokémon est à la fois tellement stylé et tellement nul. C'est triste. On aimerait que Tropius soit un peu plus stylé en vrai. Mais... Oh là là. Non mais c'est bon là. Il y a la moitié du chat qui met des cœurs parce que j'ai dit un truc gentil. La moitié qui est en mode gicle les dos sur la type dresseuse, c'est... Il y a une sorte de bipolarité dans mon chat, c'est, je trouve ça extrêmement drôle. Incroyable. Bon, parfait. Ah super, je suis coincé. Ah, parce que je suis débile, c'est ça, oui. Non, mais c'est ouf, en fait, elle est énorme, cette zone. Je pensais que ça allait être exploré en deux zones, mais... Tellement de petits pas... NON! Le guet-apens de l'enfer! Florian le dracologue! Bon, ça va, il a que de la merde. Il y a même des mecs qui mettent des trucs trop bizarres, genre qui n'ont aucun sens. Genre, il y a un mec qui a dit demi-tour sur la top dresseuse, je suis en mode... Attends, quoi? À quel endroit je suis supposé voir un truc bizarre? Il y a rien qui va. Il y a un mec dans le chat. Il a l'air au bout de sa vie. entre deux trucs en mode... Oh là là, gicle les dos sur la top dresseuse, il y a un mec qui fait, il y a rien qui va, il a l'air au bout de sa vie. Terrible. Hein. Ah, c'est bien, non mais c'est bien parce que, comme on dit, hein, il y a à boire et à manger dans mon chat, quoi. Tu trouves un peu tout ce que tu veux. Voilà, je suis enfin à l'air de survie, il faut que je fasse attention à pas tomber, voilà. Parce que si je tombe, je fais le tour. Salut, je veux te parler de la création du mont abrupt. Ah ouais... Et elle dit quoi? Les dessins qui perdent à la tour de combat viennent ici pour essayer d'être moins nuls! C'est terrible, hein. La méchanceté. Bon, allez, c'est bon. Maintenant, on peut aller au moins abrupt. Bah, j'en ai pas fait de vidéo parce que, bon, bah, je peux pas faire une vidéo sur un Pokémon où j'attendrai une nouvelle forme. S'il y en a une nouvelle. Voltorb de Hisui, bah, le type est moyennement intéressant, c'est pas si pire, mais c'est pas incroyable. Et puis bon, on connaît, le problème c'est que les stats d'Electrode sont vraiment pas fous, donc... c'est là qu'on va ou pas? Je sais plus si c'est là. Non, c'est pas là. Ah mais non, mais là je dois refaire des trucs. Bah si. Bitambois attaque Calinerie sur Fieldrong, c'est super efficace. Un petit câlin de Bitambois là. Oh là. C'est genre, c'est horrible cette zone. C'est marrant de spammer escalade. Vous imaginez en 4G quand t'avais l'animation à chaque fois? Encore ici ça va là. Ah non mais attends, c'est pas là. Le chat se contente plus des mamans. C'est qui le... Ok.
C'est quel dresseur slash dresseuse que vous shippez le plus? Sans les champions, hein. Sans les champions. Sans les champions. Champion interdit. Genre champion, personnages qui ont des noms interdits. Genre en mode la nageuse, la machin, la, tu vois. Moi, je peux pas répondre à cette question parce qu'après on fait des commentaires, mais vous pouvez répondre à cette question. Et d'ailleurs, si vous êtes une meuf, ou si vous êtes tout simplement à genre, c'est de pire en pire. À chaque fois que j'ouvre ma bouche, c'est terrible. Nageuse. Non mais la nageuse, c'est juste parce que vous la voyez en dessous. Y a pas des meufs aussi dans le chat là qui peuvent nous dire là? Parce que ça s'adresse à tout le monde. Les fillettes. Oh non. Y a un mec qui dit les fillettes. Ah là 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 là. Les fameuses filles. Oh là là, vantardis, ça va être chiant. Putain, y'a pas de mec. Y'a pas de mec. Enfin, y'a que des mecs, y'a pas de meufs. Voilà, c'est pour ça que je veux devenir plus adaptable. Mon but, c'est à la fin de l'année d'avoir 50% de filles. C'est impossible. Le montagnard. Mais tu mens. Attends, y'a Elodie. Y'a Elodie qui a dit. Non mais Elodie, elle a pas dit. Elle a dit bonjour. Oh là là. Super. Grand moment. Hein. Oh non. Oh, y'a mon rival Jean-Pierre. Qui a créé ce truc? C'est infernal, ça! Mais pourquoi? Pourquoi? Mais c'est... Comment je fais? Mais c'est quoi ce design de l'enfer du cul de la mort? Oh là, la taille de l'Ovis. C'est toi, Fivou, ça faisait un bail. Tu fais tellement de progrès que tu viens t'entraîner ici. Tout le monde devient de plus en plus fort. Ok. Tu parles vraiment sans accent, tu es né à l'étranger. Non mais quoi? Il y a un volcan, ce crâneur de Cornille, il y est allé. Faut que je trouve le trésor du volcan avant lui. Si j'y arrive, je pourrais enchaîner 21 victoires à la tour de combat les doigts dans le nez. Ah bon? Si ton équipe n'est pas assez entraînée. Ok. On m'attend pour un autre tournoi. Ok. Oh, tu devais être fatigué! Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Je lui avais reparlé ou pas? Ou elle m'avait reproposé un truc? Ah non, c'est bon, je lui avais reparlé. Ok, ne pas tomber, merci. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais c'est le crâneur de Cornille. Me dis pas que tu vas au monde abrupt, t'as pas l'air si fort que ça. Hein? Mais nique ta race, Cornille! Tu marches comme un camion poubelle, là! Putain, non, les bonnes résolutions. J'ai tellement du mal, je supporte pas de me faire insulter dans Pokémon. C'est très difficile. Attends, ah non, ok. Un morceau de charbon, super. Oh, elle m'a empêché de tomber. Merci d'être là. Tu m'as empêché de tomber.
Oh, la top dresseuse. Miaouss. Mais vous avez des Pokémon niveau 50, vous voulez pas avoir mieux que Miaouss? Parce qu'il est 22h04 là, en avant hein. Moi je veux refaire la ligue en fait. T'es sérieux toi? Bon après la ligue ça devrait aller vite parce que mon équipe est trop forte. C'est juste Cynthia qui va être dur. Oh là là. Mais on s'en fout! C'est bon, il a pas fait. Oh, il a fait jackpot, c'est gentil. Merci pour le jackpot. Bon. Kelly, la top dresseuse. Oh là là, il y a tellement de Pokémon merveilleux! Merci, merci beaucoup, Kelly, pour ce moment. Putain, tout ça pour du zinc. En plus, ça se prononce même pas zinc, ça se prononce zing. Ok, allez. Nous sommes repartis. Je vais essayer d'esquiver les dresseurs. Lui, à mon avis, je peux pas l'esquiver. Willy le karatéka. Oh, il a 4 turns. J'aime bien ce Pokémon. Allez, hop là. Ouh, allez, au revoir, Cacturne. On rappelle, un hein, Cacturne, hein, le bulk de la Voie Lactée nulle. Macognor, par contre, un meilleur bulk, hein, mais il va quand même mourir de séisme, parce que faut peut-être pas exagérer. Ok, le Macognor est KO. Ça donne beaucoup d'XP en plus. Hoi! Achoum! Renifle! Ah bah super, ok. Bon, je suis au moins abrupt, les mecs, je fais quoi? Oh, y avait un truc là. Oh, y avait un dracologue de merde là, je sais pas ce qu'il faisait. Attendez. Oh, une huile. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là en bas là? Ça a l'air un peu mystérieux là. Mais il faut que j'y arrive en esquivant le dracologue. Oh là là, mais putain, mais au vélo, c'est impossible de se diriger. Ok, il faut que je dodge, ok. Mais tourne. Oh, 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 le skill. J'ai réussi. En vrai, t'as le temps, il met du temps. Non. Ok. Ok, 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 ok. Hop là. Orbe vie. Ah, bah en plus, c'était bien, ça. Bon, après, j'en ai déjà pas mal des orbes vie, je crois. Attends, y'a quoi en bas, là? Ok, c'est pour descendre. Ok, vous êtes prêts? Oh, j'espère qu'il est dans le bon sens. Mais évidemment que non, fils de ta mère, je veux dire, évidemment. On sent que, voilà, tu es le fils de ta mère qui était bien... il était, voilà, ta mère était farceuse, voilà. Ah, sacré toi. Bon, ça va, Léviator. Faut juste que je touche pas deux fois et c'est bon. Oh non, il est perdu. Mais il a mâchouille, quoi. Allez, un. Il faut que je touche trois fois à cause d'intimidation. Ok. Ça va, c'est de l'XP gratuite. Y'a ta meilleure amie en ligne. Oh, incroyable. Nicolas le dracologue. Mon Léviator!
T'es un Nicolas, hein. Ah, sacré toi, hein, tu ressembles à ta mère. Ah, qu'est-ce qu'on s'amusait avec Monique. Ok, putain, mais... Ok, c'est pas une blague, je vais vraiment tomber. C'est trop mal fait, en vrai. Ok, allez, c'est parti, moi, Brut, let's go. Oh, la musique. Attends, quoi? Hein? What? What? Hein? Attends, mais... Ah, d'accord. Ok. C'était pas très clair qu'on pouvait le faire. J'étais en mode what? Oh, la musique. Petite corde de sortie. Bon, je vais descendre du vélo parce que... PP plus. Ouais, roule la pierre dans l'escalier. Oui, 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 mais c'est juste que... Je savais pas qu'on pouvait faire, donc je l'ai appris en direct. Je savais vraiment pas qu'on pouvait faire ça. Anti-brûle. La zone du 500 IQ. Pour l'instant, ça va, je te dirais. Mais bon, après, attention. Hein. Plutôt ectoplasma ou à la Kazam, en strat et en coup de cœur. Je préfère en design, je préfère ectoplasma et je préfère à la Kazam en strat. Salut Vivou, je viens de perdre face à ce mec la cornille. Pour regarder les lives de Fifou cet hiver. Je vais aller m'entraîner à la tour du combat. Merci beaucoup. Ça m'énerve de perdre comme ça. Oh là 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 là, quelle grosse merde. Du coup, je vais devoir affronter Cornille. Oh là là, il y a plus. Oh, ça a l'air immense. Oh, il y a Cornille. Cornille, viens te battre. Ton copain hyperactif m'a défié. Je lui ai donné une bonne leçon. Peut-être qu'il gagnera la prochaine fois. On peut tomber sur des dresseurs coriaces n'importe où. Si on faisait équipe. Mais Cornille, tu es devenu mon pote. Je pourrais soigner des Pokémon. Mais merci, Cornille. Putain, mais Cornille. Oh là là, ça a l'air immense comme zone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, mais des combats partout de l'enfer. Alors, est-ce que les Pokémon sont... Est-ce que les dresseurs sont un peu plus haut niveau? Parce que tout à l'heure, ils étaient niveau 60, genre 55-60, c'est pas ouf, quoi. Parce qu'il a dit... Ouais, ils sont... Ouais, d'accord, Balbuto, ouais, super, 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 super. Oh, mais il a un Kaorin. Ah oui, d'accord, il est bas niveau, ouais. Allez, Giga Sensu, c'est le mieux. Pas Bomber, pardon. Hop. Ah, j'en ai pour une heure ici. Oh là 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 là. T'auras pas fini à 23h. Oh là là, mais la ligue. Je vais devoir faire mon live jusqu'à minuit et demi là. Bon. Mais il fait pouvoir anti ce débile. C'est pas grave. On avance. Je vais essayer de skipper des dresseurs aussi. Pourquoi je me suis bloqué sur cette attaque, je sais pas. Salut. Rien. Quoi? Je dirais merci. Oh! Quel enfer. Attention, c'est dangereux ça. Mais fais pas force cosmique, mon gars! Non, 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 non. Mon gars! Fais pas force cosmique, mon gars! Fais pas force cosmique, mon gars! Mon gars! Hey, mon gars, tu peux pas faire ça! Et bon, c'est bon. Rassurez-vous, la situation est sous contrôle.
Tout va bien, tout va bien. Oh, mais me casse les couilles ce poké. Kaorin, tu peux pas servir à quelque chose? Mais fais tes... Ok. Bon, on va switcher, parce que clairement, là, ça va pas passer avec, avec ça. Bien rattrapé, chef. Yes! Ah bah ici, on a changé, hein, ça se passe plus comme ça. Hein. Mais tu es mort au prochain tour. Mais merci! Tu pouvais pas faire ça plus tôt! Mais regardez les dégâts, bon, c'est bon. J'ai presque envie de laisser Kaorin mourir, mais bon. Bon. Il faut qu'on trouve Itran. C'est ma seule mission. Wow! Wow! Elle a un casque de motard, ça m'énerve. Bon, les cornils, là. Allez, en avant. Ça pour une balle fer, quoi. Putain. En vrai, c'est quoi mon meilleur Pokémon pour défoncer tout? En vrai, c'est TG, on est d'accord. Surtout en combat double. Je vais arriver. En plus, il a un Kaorin qui est immunisé à séisme. Vas-y, go. Parfait. Oh là là, oh là 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 là, oh là là, où est-ce que je vais? Mais! Ok, je vais tout droit. Ah, vous pouvez pas utiliser escalade quand Cornil vous accompagne. Non mais, ok, on va dire qu'il faut aller tout droit. Je pense que c'est par là. Tu cherches le Pokémon légendaire? Wouah, Ewan et Brian, ils sont tellement stylés en vrai. Oh, je vais pouvoir spammer séisme. Parfait. On se moque pas de la coupe de cheveux. Bah moi j'en ai plus beaucoup, donc j'ai le droit. Je veux dire, s'il y a bien un truc dont je peux rigoler, c'est la coupe de veuge, tu vois. Oh, il a terrifié. Il est plus rapide, hein. Ah, mais c'est bon, il fait mal. Au pire, tu tues son Kaorin. C'est vrai, j'aurais dû y penser. Paf! Dracos. Et je suppose ah non, Donphan. Oh, te trompe pas, fais Telluriforce sur le Donphan s'il te plaît. Parce que je peux pas le one shot, je pense. Oui, oh, il est... Putain, mais il est on point. Ok, c'est pas mal, là le... Parfait. Il est bien Kaorin là. C'est un bon pote. Escalade fonctionne seulement avec les top dresseuses. Eh oui, je sais bien. Oh, une intimidation. En vrai, ça va, il va prendre double attaque. Ouais, bon, ça va. Allez, hop là! Oh putain! Fait mal. Mais fais pas... Non! T'avais tout bien fait! Pourquoi tu fais force... C'est pas grave. Et du coup, il va pas mourir, je pense. Parce que là, il a moins 1. Ok, ça va. Heureusement, je fais très très mal. Je sais pas compris pourquoi il a fait ça. Mais je suis à bout de force. Non! Allez, on avance. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que c'est par là. Ça doit être à gauche. Rappel max. Oh là là, mais non, c'était pas par là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, le lapin. Ok, bon. On reste calme, surtout. Je peux pas utiliser escalade quand il est là, ce fils de... Ok. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Enfin, je crois que c'est bon, là, non? Non, ça, c'est pour escalade, je m'en fous. Attends, ça a l'air d'être là.
mais sauvez-moi de cet endroit. C'est quoi cette zone? Et à cause de lui, là, l'autre con, je peux pas prendre l'escalade. Oh là là. Bon, au moins, on affronte des mecs stylés. Ça va, Mage? Bon. On reste frais. D'abord, on supprime le Maconieur. Ah, mais il a fait sa censeur. Bon, ça le tue pas, donc ça va. Parce que Vibranin, s'il va pas prendre... C'est la zone du tabouret, vous pensez? Oh putain. Plutôt escalade que de faire sur la top dressée. En vrai, je fais genre ça fait pareil, mais ça... En vrai, je trouve ça drôle. Allez, extra ascenseur plus bull rock, j'espère que ça tue. Ah oui, ça tue. Pourquoi tu rates ton attaque? Hop. Il a 3000 Pokémon, lui. Mais pourquoi tu fais force cosmique, espèce de mec très respectable? Oh, ça... Oh, c'est bon. Il a fait sur Kaorin. Oh, il est pas mort. Mais oui, parce que je pensais que t'allais le taper, espèce de mongoloïde. Putain, il a quand même 3 attaques offensives et il est pas foutu de les utiliser, quoi. Putain, mais les combats durent 2 heures. Bon, je vais faire séisme parce que voilà. Je voulais pas, mais... Tabouret, merci beaucoup Mike. Tabouret à toi aussi. Ah, TG là. Bon après j'avais fermeté donc. Le karatéka et sache. Oh là là, le. Oh là là, les petits pecs là. Ouh. Attends, je crois que j'ai raté un truc, non? À moins que ce soit par là, mais... Attends, peut-être par là? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette... Attends, c'est par là, je crois. Ok. Attends, là, il y a un truc, là? Non. Ah, c'est bon, c'est là. Nice. Allez, 1, 2, 3... Oh là 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 là. C'est bon. Plus vite, plus vite, plus vite et plus vite. Ok. Yes. Voilà la sortie. Le trésor du volcan. Mais t'emballe pas, je reste quand même plus fort que toi. Allez, à plus. D'accord. Regarde ça, c'est la pierre magma. Maintenant que je l'ai, on peut dire que je suis meilleur de son nom. Tu m'as bien aidé. Et hop! Attends, mais... Oula, on dirait que le volcan a pas trouvé... Mais attends, mais c'est moi qui t'ai carré jusqu'ici! Mais pourquoi il s'en va avec la pierre magma, le fils de... Attends, quoi? Mais attends, mais c'est le pire mec sur Terre? Il m'a volé la pierre! Mais sérieux, c'est moi qui suis qui t'ai permis d'arriver là? Oh là là! Mais attends, mais quoi? Mais il est où, il traîne? Oh là là. Oh là là, en plus pour sortir. Bon, attendez, quoi? Je me suis fait arnaquer.
Carte de sortie. Genre là j'ai fini. Non mais je fais... Je vais défoncer. Mais d'abord je défonce eux. Oh là là. Mais putain, mais quel gros connard, j'en peux plus. Et genre, c'est moi qui arrive en premier. Oh non, mais c'est bon, on est arrivé maintenant. Mais quoi? Genre, c'est moi qui suis arrivé en premier, j'étais devant lui. Et lui, il fait genre, ah, mais c'est bon maintenant, hein. Hey, mec, allez. Allez, merci, je rentre à ta place, hein. Allez, hop. Et c'est moi le meilleur dresseur du monde, c'est moi qui ai trouvé la pierre. Ça va pas se passer comme ça, les mecs. Ça va pas se passer comme ça. Je m'occupe de la top dresseuse d'abord. Et ensuite, ça va pas se passer comme ça. Oh là là, elle... Mais elle envoie elle-même un Pokémon avec Brise-Moule, c'est quand même terrible. Terrible. Enfin, vous comprenez. Enfin, terrible. Terrible, quoi. Et un sécateur. Et non pas. Oh, elle a l'air triste là. Bon, allez, une corde de sortie et on n'en parle plus. Oh, je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Bon. Alors, sac. Oui. Il faut qu'on aille à l'aire de survie, vous m'avez dit. Oh non, mais si je dois tout refaire après, mais putain! Mais le game design, là! Ah, mais on pouvait passer à gauche. Mais il est là. Mon papy vient de me dire que la pierre magma gardait le Pokémon du vocal sous contrôle. J'ai intérêt à la remettre. Je peux m'en charger tout seul. Check. Non mais je vais... Mais je vais l'atomiser, ce fils de pute. Je suis... Ok. Si donc t'as changé. N'oublie pas, tu as changé. Putain mais non. On va tout faire. Mais il me fait revenir juste pour me dire... Ah non, finalement j'aurais pas dû faire ça maintenant le... Oh là là, il doit me retaper la zone escalade. Oh là là. Voilà. Vous savez pourquoi c'est pas grave, les mecs? Parce qu'il y a des trucs pires dans le monde. Comme par exemple... Je vais trouver un truc pire que ça. Le nouveau PES. T'as changé, c'est vrai, j'ai changé. Oh là là, en plus. Allez, plus vite. Vite, 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 vite. On fonce, on speedrun là, speedrun, speedrun. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Putain, je... Ok. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Il y a un mec dans le chat qui dit le pass sanitaire. Oh non, mais je dois refaire ça. Oh, mais je vais me casser la bite, putain. C'était tellement chiant. Ok, je le fais bien, je le fais bien, je le fais bien. Mais évidemment que je... Bon, il faut vraiment que j'y aille en mode hyper doucement, parce que sinon ça passe pas. Ok, c'est bon. Mais putain! Mais c'est tellement mal fait!
Non mais qui a créé ça en vrai? Non mais attends, mais qui a créé ça? Ok, c'est bon. Putain. Non mais c'est le truc le plus débilement mal fait que j'ai vu de ma vie, quoi. Tu as changé. Pardon. J'ai changé. Faut que j'oublie. Faut pas que j'ai changé. Non, les flèches directionnelles, ça va trop loin à chaque fois. C'est hyper chiant, du coup. Ok. Oh là là, je dois refaire force, putain. Utilise les flèches. Non, les flèches, ça te fait avancer de 2 au lieu de 1. Non, les flèches, ça marche pas, les mecs. Je vous jure, les flèches, ça marche pas. Toutes les premières fois, j'ai essayé avec les flèches. En fait, regardez, quand vous faites les flèches, vous faites 2 pas. Genre, c'est trop. Alors que si vous faites ça, vous pouvez faire des plus petits pas. Regardez, voilà. Là, on peut faire des tout petits pas. Alors qu'avec les flèches, c'est... Voilà, vous voyez. Donc, c'est pas les flèches. Non, tu dois faire des petits pas avec ton truc, mais bon... Les flèches directionnelles, c'est un pas. Oui, mais ça marchait pas, là. Ça marchait pas, les mecs. Vous allez trop vite. Bon, je vais pas le refaire pour vous. Allez vérifier, vous allez voir, ça marche pas. À chaque fois, quand je suis descendu tout à l'heure avec les flèches directionnelles, ça buguait après. Enfin, ça me faisait descendre tout seul. Oh non, mais il est encore là, lui. Non, mais... Tu ne sers à rien, toi. Ok, alors attends, on était passé par où, déjà? On n'a pas élevé les gros cuits ensemble. Ah bah, putain, non, j'ai pas envie de te respecter, là. Tu m'as tellement cassé les couilles, gars. T'étais à vélo. Non, mais tout à l'heure... Ne me faites pas, je vous jure les mecs que j'ai essayé avec les flèches et que ça marchait pas, d'accord? Alors maintenant arrêtez s'il vous plaît. Je vous jure que j'ai essayé avec les flèches, ça marchait pas. Alors s'il vous plaît, arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Sinon je vais juste arrêter le live. Ok, c'est bon, heureusement avec escalade c'est plus rapide, t'as pas à faire. Enfin! Bon, alors, Itran. Ah, le problème, c'est que... Comment je l'affaiblis, Itran? Peut-être qu'il peut... Non, mais il peut... Avec Napoléon, on devrait pouvoir l'affaiblir, je pense. Parce qu'on veut le capturer, du coup, hein. Ran! Let's go. T'étais à vélo. Non, mais la première fois que je suis passé... La première fois que j'y suis allé, j'étais à pied, les mecs. S'il vous plaît, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Vraiment, hein, je vais vraiment rage quitter. Ok, on commence par cage éclair. Ok, tonnerre. Ok, si je fais changer clair, là, c'est bon, hein. Il sera à très peu de PV, là. Parfait. Et, ah non, mais j'ai pas mon Pokémon avec fauchage, dommage. Bon, maintenant, on va mettre un Pokémon qui craint rien, on va mettre pizza, et puis on est bon. J'espère qu'il est facile à capturer. T'as des balls? Ouais, j'ai plein de sombres balls. Ça devrait aller. Allez, B plus bas! Petit B plus bas classique. Classique B plus bas. Non, mais non, j'ai mal fait. Moi, je ferais séisme, mais ça dégage. Ouais, mais voilà. Le crit. Bon, ah, c'est bon. T'arriveras pas à faire la ligue. Non, mais on va quand même faire la ligue. C'est bon, je suis pas obligé de... Tu sais, je suis pas à la poste, hein. Je suis pas obligé de finir exactement à 22h55. Hein. Bon, par contre, c'est sûr que s'il veut pas rentrer dans les balls, ça va être chiant, mais... Après, attends, c'est à partir de 19 tours que c'est bien. Putain, mais il fait hyper mal. C'est niveau 70 en même temps.
Le problème avec les gens qui essayent de m'expliquer que je l'ai mal fait et tout, c'est que vous n'êtes pas sur les inputs, vous ne savez pas ce que je fais, vous ne voyez pas ce que je fais. Donc, ça sert à rien de me dire... Tu vois, si moi je te dis que j'ai fait quelque chose, c'est que je l'ai fait, tu vois, je vais pas... Si je me suis mis à faire des sortes de vieilles transversales, c'est que ça marchait pas, justement. Parce que j'ai essayé plusieurs fois. La première fois que j'y suis allé, la deuxième fois, j'ai essayé directement en transversal. Mais la première fois, j'ai essayé. Maintenant, ça suffit. Ah oui, la Naya Nakamura. Ouais, mais alors, je sais pas si je vais la voir. On va essayer, ok. On va réessayer. Ok, B plus Nakamura, let's go. Ok. 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 Oh, Jaja. Oh nananani. Mais non, mais je l'ai mal fait. Mais j'ai fait Wesh Den, je crois, aussi. Bon. Tu laisses pas trigger. Promis, plus jamais. C'est bon. J'ai compris, maintenant. Oh, il a lame de rock. Bon, heureusement qu'on a un pizza, hein. Pour ça rendre, moi je regarde la balle et je retiens ma respiration. Oh ouais, c'est bien ça. Vas-y, go. Ça n'a pas marché. Oh, bah je suis à moins 8 en défense spéciale, il me fait trop mal. T'as fait une fausse note. Mais c'est ça, regardez. Oh, Jaja. Oh, nanani, nananana. Mais non, mais j'avais bien fait. Ah, j'ai peut-être fait trop d'effets. Bon, par contre... Pas chiant avec ces skis au son, là. Les hyperboles, c'est mieux. Peut-être. Il fait beaucoup d'attaques. Il a quand même pas mal d'attaques, ouais. Ça devrait aller, les skis au son et tout. Allez. Oh, Jaja. Bon, et, ah, mais dis tout de suite que je chante mal. La chronoball, c'est à partir de 19 tours que ça devient fort. Donc il faut qu'on... Là, j'en ai utilisé 9. Il faut encore genre 5-6 tours. Pour que ça devienne meilleur que la sombre ball. Ok. Oh, Jaja. Tu me laisses même pas commencer. Ok. Retiens ta respiration, t'as pas bien fait. Retiens ta respiration en chantant. Ok, vas-y. Oh, il fallait retenir sa respiration en chantant Wesh Den. Incroyable. Parfait. C'était ça qu'il fallait faire. C'était le combo. Le combo. Parfait. Parfait. Je te l'avais dit. Bah mec, t'avais raison. C'est grâce à toi. Merci Imran, c'est grâce à toi. Yay. Alors est-ce qu'il est bien notre Itran? Oh, le Itran timide. Mais c'est trop bien, j'ai un Itran timide. Je peux l'utiliser en stratégie, là, j'ai juste à lui mettre des... Il a la bonne nature et tout. Ah, par contre, il a torche. Bon, il a torche, un peu dommage. Mais bon, c'est quand même stylé. Franchement, c'est quand même stylé. Mais non. Bon, maintenant, il faut qu'on retourne faire la ligue, du coup. Maintenant que j'ai capturé Itran, il faut que je retourne la ligue. Ah, maintenant tu vas péter la gueule de Cornil avec Itran. Ah bon? Il y a une histoire comme ça? Je viens de choper Itran modeste. C'est moins bien que Itran timide. La meilleure nature pour Itran, c'est timide ou calme. Torche chez le mouille.
Ah bah oui, je suis con, je confonds torche avec corps ardent. Ah mais il est parfait mon Itran en fait. Oui oui pardon, excuse-moi, dans ma tête c'était corps ardent torche. Oui oui, j'ai tellement l'habitude de flash fire que j'étais en mode mais torche c'est pas bien. Ok, bon alors, est-ce que j'ai des objets là pour mes Pokémon? En vrai on peut mettre des restes. Oh j'ai eu tellement de trucs. Tac 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 tac. Ok. Vas-y les restes. Reste. Et reste. Ok, donc on tente un sans objet. Merci beaucoup. Un jour peut-être. Allez. On sauvegarde et on y va. C'est quoi la ligue? Bah là en gros c'est la dernière ligue en fait. Donc c'est. Ils ont des Pokémon très haut niveau, des grosses équipes. Je connais pas, pour le coup je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'ils ont. La deuxième ligue, je savais à peu près les niveaux et tout, mais là je sais pas du tout. J'ai pas trop fait gaffe, je vous. Allez c'est parti! Donc on n'est pas en Nuzlocke, on est en sans objet. Interdit d'utiliser des objets en combat. On peut utiliser entre les combats évidemment pour se soigner. Mais pas pendant les combats. Je dois faire avec ce que j'ai. Allez, c'est parti. Ah! Oh! Petit Yann Megalid. Tout va bien. Attends, mais Yann Mega, il va me refaire le fion, là. S'il a de la chance. Niveau 75, hein, putain. Bon, alors, on fait piège de roc, obligé. Oh, il a fait détection, en plus. Oh, trop bien. Le con. Du coup, je peux tanker une éventuelle... Ouais, là, c'est le niveau maximum. C'est la ligue maximale. T'auras pas plus après. Si le premier a des Pokémon niveau 75, tu sais que ça va être assez haut niveau. Hein. Allez, c'est parti. Mon bourdon, ça va. Si je rate pas mon attaque, c'est bon. Ouh ouais, ça fait tellement mal, ce truc. Ok, par contre, au revoir. Pourquoi t'as pris Itran sans le mettre dans ton équipe? Parce que quand tu captures Itran, ou quand tu le bats, tu peux accéder à la ligue au niveau maximum, et je voulais faire ça. Et là, après ça, t'as fini le jeu, quoi. Il te reste que les... Il te reste que les trucs de endgame à te faire, genre en mode la tour de combat qu'on fera lundi prochain. Ou le remplir le Pokédex. Mais disons qu'au niveau de l'aventure, là, j'aurai tout fini, là. Si je bats Cynthia ce soir, j'aurai tout fait. Mais on aura... Il va falloir que je... Ça finira pas à 23h, mais bon. Oh, il a tenté séisme. Bon, heureusement qu'on a notre... C'est marrant, pour la coup, la stratégie n'a pas changé encore, hein. Il a un Karchakrok niveau 88. Ah ouais, stylé en vrai. Karchakrok niveau 88, ça va être stylé. Oh, mais encore Pyrène. Est-ce qu'il va encore utiliser Bécitrus? J'espère pas. Oh non, c'est bon, elle a... Oh, elle a des bons IV, du coup, ça la nique. Je pense que ça la tue... il mourra pas avec Aeropic. On va faire vol direct. Ok, il a tenté Aeropic. Non. Ah ouais, bien les Pokémon insectes, hein. Ah ouais, bien les Pokémon insectes, mec. Mais bien. Deux vols, ça devrait tuer, je pense. Est-ce qu'il a l'âme de rock? Bang Sonic. Trop stylé. Il en faudra deux pour le tuer. Ouh, ça va. Celui-là, il est vraiment facile parce que... en vrai, il a Libégon maintenant, mais bon. Il se fait quand même dépioter par tous les Pokémon de type dragon, de type vol. Pour l'instant, Ernestine le gère. Aeropic, c'est pas censé ne jamais rater. Oui, mais là, j'étais invincible avec le tour de vol. C'est pas pareil. J'ai pas d'attaque-feu dans ma team. Je crois que mon meilleur bet pour buter Cisaiox, c'est avec Tritosaur, je pense. Avec Tritosaur et faire... Attends, c'est quoi ma meilleure attaque pour Tritosaur? Je peux l'intimider et spammer tonnerre, je pense que c'est le mieux à faire. Allez, go. Libégon est de type insecte. Bah en vrai, c'est une thématique insecte, tu vois.
moyenne les dons en un live? Ça dépend les lives. Sur celui-là, je sais pas, on doit être à 15. Oh, mais il meurt même pas, quoi? Oh, la plaie croix. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est bon, j'ai tanké. Guérison? Non, c'est bon. Ok, il est bon. Rien n'est encore joué, on ne lâchera pas l'affaire. Oh, il y a Drascor. C'est son Pokémon ultime, le Drascor. Moi, j'ai été Luriforce, donc ça va. Allez, change éclair. Oh, il est plus rapide. Non ! Napoléon ! Oh là là, je pensais pas qu'il serait plus rapide. Mais en même temps, il est super haut niveau. Mais attends, mais il a déjà... Enfin, lui, il a déjà ses Pokémon plus haut niveau que moi, presque. Allez. Ça va, tranche nuit. En plus, c'est... Alors, n'oublions pas que j'ai l'amour de mes Pokémon. Hein. C'est vrai que j'ai le nom de mes Pokémon. J'ai l'amour de mes Poké. Mais du coup, j'ai pas des rappels à l'infini. J'ai oublié de racheter des rappels. Je rappelle qu'on est plus en Nuzlocke. Hein, donc, ça va, mais... Oh, un corps battu! Ok. Ok. Alors, maintenant on a le droit d'utiliser des objets, donc paf. Putain, mais il m'a... Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il me dépasse, mais c'est vrai que j'ai pas les EV et tout. Sont mes soins, là. Attends, mais je suis débile, c'est là. Putain, mais débilos. Rappel. J'ai 11 rappels. Bon, ça devrait aller quand même. Ah merde, mais en fait, ouais. Mais en fait, j'ai complètement oublié, mais j'ai pas racheté de... Bon, ça devrait aller quand même, parce que comme je peux les utiliser que à la fin des combats, ça devrait aller. Allez, combat suivant. Comment t'as eu Plenitude avant la Ligue Pokémon? Dans les souterrains. Ah oui! Ah, oh, c'est vrai qu'il y a le type sol ici. C'est vrai qu'il y a le type sol. On va sauvegarder. Dans le doute, on va sauvegarder. On sait pas c'est quoi son dernier Poké, mais... Soyons honnêtes. Il faudrait un... Ah oui, non, c'est vrai qu'elle a Scorvol. Elle a Scorvol. Elle a Scorvol, du coup, qui tanque un peu la Giga Sensu. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus incroyable. Hein. Pendant le Nuzlocke, t'avais perdu un Poké sur la Ligue. Ouais. Mon Squeezie PNL. Tu peux super bon pour les revives. Oui, c'est vrai, t'as raison. Au pire, tu peux faire ça. Tu utilises le zèle en combat? Non. Bah, pas dans le défi que je me suis lancé là, non. Allez, piège de rock. Pour casser, hein. Oh là là. Bon, bah, on va tabasser, hein. On va faire séisme. Je veux dire, j'ai esquivé ébullition. Oh, oh, les dégâts. Ah, cette fois, il l'a. Est-ce qu'il va me brûler en échange de tout à l'heure? Non. Wouah, Mike! Merci beaucoup, mec. Abusé, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour ça que tu demandais. Incroyable! Merci pour ce cadeau de Noël de malade mental. Merci du fond du cœur. Merci. Je sais pas quoi dire. What the fuck. Ok, ok. On se concentre, on se concentre. Alors on va faire ce qu'on va faire. On bute le Scorvol et après on peut mettre Oseran. Ok. Incroyable. Merci du fond du cœur. Ah, le cadeau de Noël. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Comme d'habitude, je rougis hein, dans ces moments-là. Il a refait ta soirée. Oui, bah oui, effectivement. Là. Il a refait la soirée. Merci du fond du cœur, monsieur. Allez, séisme. Oh, ah ouais, c'est un coup critique, je me dis aussi. Bon, il doit avoir une baie, je sais pas quoi, mais il meurt quand même. Hein. Ah bah, il avait pas de baie. Merci beaucoup, Mike. Merci du fond du cœur. Je sais pas quoi dire. Tabouret quand même, oui, c'est ça.
Ok, pour l'instant on se fait mettre à peu de PV, mais on est bien. Ok. Ouh. Sur ma mouchou, c'est assez difficile là de mettre un poké. Je peux y aller avec, avec monsieur là, mais bon. Avec la glace. Normalement il ne touche pas. Le problème c'est que putain mais il est chiant avec son mamochon là. En vrai qu'est-ce qu'il a pour me toucher? Ah ça va, il est avec Damoclès. Au! Fait presque mal. Oh les dégâts. Est-ce que ça touche shot, vous pensez? Ah je sais pas, ce serait tellement chiant si ça touche shot pas, parce que après elle va utiliser des guérisons et tout. Ah non, avec... Oh mais non, il fallait pas éviter, débilos. Oh, il va tanker avec un PV parce que j'ai pas pris le recul de Damoclès. Ah non, c'est bon. Okay. Bon, je crois que je me suis enfin débarrassé des Pokémon qui étaient chiants pour Roserad. On va pouvoir mettre Roserad et faire le taf du coup. Ouh, il y a beaucoup d'XP en tout cas. T'as demandé quoi à Noël? À Noël, j'ai demandé, comme d'habitude, des bandes dessinées. Moi, vous savez, je demande des livres et des bandes dessinées à Noël. Hein. Toujours été comme ça. C'est ça que je préfère. J'adore les livres. Le seul truc que je demande pas, c'est des mangas. Les mangas, je préfère les acheter moi-même. En plus, bon, dans ma famille, ils sont pas très mangas. Bon, alors... Bon là normalement je roule sur le reste de sa team, on est d'accord. Easy le type seul. Ah oui bah pareil, hein, j'ai fait pareil la première fois, mais c'est juste que là t'as Scorvol, il tank, il one shot, Mamochon il a avec la glace, tu vois, hein, bon. Cette version de sa team est un peu moins faible à Roserad. La première version de la team, où elle a Simularm, Grolem et tout, par contre, bah t'as juste à spammer. Mais non mec. Mais quoi? C'est même plus un cadeau de Noël là, c'est une bagnole. Mec, je sais pas quoi dire. Je sais legit pas quoi dire maintenant. Je sais pas quoi dire. Merci du fond du cœur. Je sais pas quoi dire. Je suis gêné dans ces cas là. Pour le nouvel an quoi. Oh, je suis mort. Non, la tempête de sable. Ah, sa mère. Je suis déconcentré. Je suis déconcentré. Mais je suis déconcentré. Ok, vol. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Ok. Putain, les dégâts étaient trop énormes. Je pensais pas que les Zerglas feraient autant. Hein. Eh, cette version de la team et Roserad, Roserad passe pas. Hein. Enfin, Roserad la one-shot pas. Il a presque que des Pokémon qui prennent pas de dégâts plantes. Par contre, il est très fort, il est très faible au type O. Beaucoup plus faible au type O. Bon, c'est qui son dernier? Eh mais attends, mais c'est que c'est hyper chiant la Rhina Stock. Parce que j'ai mon Tritosaur qui est bien abîmé là. On va essayer Tritosaur, mais bon, il y a des... Parce que Tritosaur là, il va prendre l'âme de roc. J'espère que ça passe, hein. Oh, roc boulé. Le roc boulet évité par pizza, incroyable. Ok, ébullition. Ok, c'est bon, je suis plus rapide. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, dis donc, plus dur que je pensais, elle. Hein. Je pensais que j'allais rouler dessus, mais pas du tout. Hein. Elle a vraiment une... pour le coup, elle a une vraie monosole assez propre, hein.
Encore un rappel, du coup. Je sais vraiment pas quoi dire. Merci du fond du cœur, Mike. Attends, j'avais une eau fraîche à la con, là. Tiens, bois de l'eau fraîche. Ok. Putain, il a raté son attaque. En vrai, je sais pas si... Je pense pas que je tankais, hein. Je tankais pas avec... Si il avait pas raté, j'étais vraiment dans le mal, hein. Ok, alors. T'es toujours en... Non, non, non. Je suis en no... pas d'objet là, je suis pas en Nuzlocke, je suis en zéro objet. Non, le Nuzlocke ça fait longtemps qu'il est fini. Nuzlocke j'ai fini quand j'ai fini la ligue la première fois, là on est dans le post-game. Mais j'ai quand même un challenge là, je m'interdis les objets en combat, sinon c'est... Sinon j'aurais spammé les potions, tu vois. Ok, fena... Oh là 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 là, ça sent le... Ça sent le lead avec... Il faut que je mette les pièges de rock, je pense, quand même. Oh là là, ça... Ok. Il faut que je mette les pièges de rock, c'est presque sûr. Mais il va faire Solar Beam. Ouais, c'est ça. En général, ils ont Solar Beam. C'est tellement bien fermeté, en vrai. Fermeté, les mecs, c'est la vie, cette attaque. C'est incroyable. J'aurais pu tuer le fenard en vrai. Mais en vrai, attends, mais. En vrai, je crois que je dois le laisser mourir, non? Oh, ça va être trop relou en vrai. Attends, comment je le passe ce truc? Je peux le toxique peut-être? Faut que je la. Faut... Non, mais ça se trouve, je. Non, mec, par contre, en vrai, ça suffit. Non, mais mec, c'est trop. Je sais pas quoi dire. Mec, c'est legit la première fois que ça m'arrive, je crois. Merci du fond du cœur. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense qu'il faut qu'on toxique. Non, on va faire vol. J'espère qu'on dépasse, hein. Ouais, c'est bon. Je sais pas quoi dire. Oh, la machination fenard. Oh là là, on est tellement mort. Oh là 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 là. Faut qu'on attende la fin du soleil et qu'on mette Tritosaur, y a pas le choix. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Ah oh, putain. Est-ce que lance-flamme me one-shot, je pense, hein. Oh, putain, ta mère, quoi. Je sais pas quoi dire. Faut qu'on attende que le soleil s'en aille, en fait. J'ai que des Pokémon qui prennent cher, en fait. Faut que je tanque. Je sais pas quoi dire. J'ai dit merci, quoi. Je fais quoi à ce moment-là? Je te paye un truc. Je sais pas quoi. Ok, on met ça pour prendre le lance-soleil. J'espère vraiment que le sun s'arrête bientôt parce que sinon on est dans la merde. Il faut vraiment que le soleil s'arrête là parce que sinon c'est fini. Hein. Si c'est 5 tours, ça s'arrête maintenant. Oh, j'aurais dû le tuer. Je savais pas qu'il était aussi dangereux. Oh là là, est-ce que je vais y arriver? Oh là là, il y a encore le soleil. Putain, mais il a son lance-flamme de l'enfer. Attends, il a fait lance-soleil, deux fois lance-soleil, trois fois lance-soleil. Il a fait trois lance-soleil. Une machination, un lance-flamme. Ok, d'accord, il reste encore deux tours, putain. J'ai pas le choix, hein. Putain, mais c'est horrible, ce truc. Mais d'où est la machination? Putain, mais Fenard, quand c'est plus rapide que ta team, c'est tellement fort. Ouais, il a la roche chaude, ouais, je sais bien. Ouais. Oh, oh là 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 là. Je sais pas quoi faire, hein. j'ai pas de plan de secours là. Il reste encore deux tours, je crois. Le truc c'est que Pizza, si je le mets, il va prendre tellement cher. Je suis obligé de les... Non mais je suis obligé de le laisser mourir. J'espère que c'est le dernier tour. Hein. Putain, mais je me fais défoncer!
Ok, plus de soleil, s'il te plaît. Mais je crois que c'est encore le soleil. Non, mais c'est... C'est abusé, en vrai, hein. Putain, mais c'est tellement... Oh, ok, bon, je crois que ça va être un reset, hein. Je suis obligé de faire ça. Ok, normalement, là, il y a plus de soleil après ça, là. Peut-être que je suis plus rapide, en vrai, hein, avec ce Pokémon. Non, je pense pas, mais... Parce que là, il va faire lance-soleil. Mais j'ai besoin... Ok, c'est bon. Il y a plus de lance-soleil. Oh, ça se trouve, il va remettre... Ok, bon, attends, vas-y. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Ok, mais maintenant, mon Tritosaure est là. Maintenant, Tritosaure est là. Ok. Oh, oh là 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 là. J'y arriverai pas, je pense. Hein. Il me reste deux Pokémon vivants. J'espère vraiment que... Ok. Ok, bon, au moins, c'est bon, là, il tente des lance-soleil. Ok, j'ai un Tritosaure full life contre une team feu. Normalement, ça devrait passer. Mais je sais pas ce qu'il a, donc ça se trouve, il a un Pokémon plante au hasard. Auquel cas, j'ai perdu. Ok, il a Simiabraz. J'espère qu'il a pas de nœud herbe sur son Simiabraz, sinon c'est mort. Allez, Telluriforce, c'est ma meilleure attaque. Ok, close combat. J'évite l'attaque! Pizza, évite l'attaque! Allez! Ok. On finir cette deuxième ligue en Nuzlocke. Troisième ligue, pas deuxième ligue. Bah, en Nuzlocke, en fait, j'aurais pu spammer les potions, donc ça aurait été un peu différent quand même. Ok. Je crois qu'il a pas d'attaque. Il a pas d'attaque qui peut me toucher en fait. Il a plus d'attaque plante. C'était sa seule attaque plante. Oh, par contre, il a fait close combat. Il est mort. Faut pas exagérer. Oh là là. C'est pas grave. En vrai, c'est pas très grave. Parce que il va le soigner là, je pense. Il va le soigner. Il va pas faire close combat là, je pense. Ouais, nice. Heureusement que l'IA est conne. Hein. Heureusement que l'IA est conne. Du coup, là, je récupère des tours de soins. Je retourne la tête 10 minutes et c'est un carnage. Bah ouais, Fenard, Machination, Lance-Flamme. Lance-Flamme, Lance-Soleil, j'ai rien qui gère ça dans ma team, en fait. J'ai pas de type feu en fait, donc c'est un peu dur. Ok, Démolos. On va se soigner sur Démolos, je pense. Après, s'il fait... Ouais, non, on va taper. S'il fait machination... Non, il fait groupe sur, c'est dommage, j'aurais dû me soigner. Oh, les dégâts, putain. Ok, Telluriforce. Ces Pokémon, ils envoient en termes de dégâts. Pour l'instant, ça va. Faut que je puisse tanker le prochain. Il en reste deux après. Il en reste deux. Il faut que j'arrive à mettre des recovers là. Sinon ça va être compliqué. Ok, Galopa, normalement. Normalement Galopa, c'est gérable. Normalement Galopa, c'est gérable. Il a vraiment rien pour me toucher normalement. Genre vraiment, je me demande s'il a des attaques que je... Ok, voilà, c'est ça. Il est obligé de faire des attaques. Parce qu'il a attaque feu... Oh, sa mère. Ça fait très très mal quand même. Mais c'est bon, je me soigne. Allez, on se soigne. Comment ça s'appelle? Comment strat? On la joue safe. Double soin et on tape. Il est obligé de faire bout de feu avec son Galopa. Donc ça, c'est très bon signe. Je pense qu'il a... Je sais pas ce qu'il a en vrai comme attaque. En vrai. Peut-être qu'il a... Ah, il doit avoir Wild Charge pour les types O. Enfin, Éclair Fou, du coup. Et derrière Éclair Fou, il doit avoir Queue de Fer et Bout de Feu. Et sa dernière attaque, du coup, ça doit être genre Morning Sun ou je sais pas. En tout cas, voilà, je suis full life. Ok, on va faire Ébullition. Oh putain, c'était dur, hein. Ok, je sais pas qui est son dernier Pokémon,
Mais on a encore deux Poké dans notre team et lui il en a plus qu'un. On va voir si c'est qui son dernier. Alors attention. Oh là là! C'est pas encore fini! Maganon! Ok. Est-ce que je one-shot Maganon avec Telluriforce? En vrai? En vrai, je pense que oui. Ok, Exploforce qui miss en plus. Oh la tronche du poké. Bon, ça changeait rien. À moins qu'il me crit, je gagne. Oh putain! Ouh! Eh ben. Ça a été compliqué hein, ce combat là, là Adrien là. Ouh. Ok. Eh ben putain de sa mère, c'était dur. Hein. Regardez ça. Si t'as ça en Nuzlocke, alors qu'il te reste Cynthia et tout à faire, tu sais que t'as perdu. Après bon, si j'avais eu les objets, ça aurait été plus simple quand même. Mais bon, là j'avais pas les objets, donc c'était un. C'était le fait de pas avoir d'objets qui rendait le truc dangereux aussi. Sinon j'aurais pu soigner TG et tout. Ok. Parce qu'en gros, ce que j'aurais fait en Nuzlocke, en voyant le Fenard, comme je sais qu'ils ont des attaques en Nuzlocke, j'aurais mis les pièges de roc, ils m'auraient mis un PV, et j'aurais spammé les potions max jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soleil. Et du coup, après, bah, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais du coup, là, je pouvais pas vraiment le faire. Ok, alors attends, j'ai pas des élixirs, là. Sur pizza. Allez, next! Ah, il m'a mis 4 kills. Je crois que c'est vraiment le combat qui m'a mis le plus dans la merde de toute l'histoire pour l'instant. Allez. En avant! Tu arrives à point nommé, je viens tout juste de terminer mon livre. Ah, encore, putain. Passe sa vie à finir ses livres, lui. C'est tellement nul le fait que les Pokémon puissent éviter de faire un coup critique facilement. Ouais, je suis d'accord. Bah, encore qu'il rate Exploforce, tu vois. Bon, c'est Exploforce, donc ça va. Par contre, quand tu le vois rater Close Combat, le Simabrest, t'es en mode bon. Ça aurait été beaucoup plus stylé, tu vois. J'en aurais chié, j'aurais dû spammer les soins, tu vois, ça aurait été vraiment, vraiment cool. Les protections. Mais bon, c'est triste, mais c'est la vie. Les PDR étaient useless. Contre le dresseur feu, non. Ah non, clairement pas. Hein. Ça m'a permis de one-shot presque toute sa team. Après les pièges de roc avec mes attaques. On va faire piétisol. Ok, il a mis mur lumière. Bon, faut compter les tours, ok. Mec, ça m'était jamais arrivé de ma vie à quelqu'un qui donne le coup. Merci beaucoup. Mais mec, en vrai, par contre, arrêtez-vous, sinon je vais arrêter le live. Quand ça devient trop, après, je sais vraiment plus quoi dire. Est-ce qu'on setup? En vrai, on peut le tabasser, lui. Hein. On va refaire piétisol, parce que je pense qu'il est quand même plus rapide. Merci du fond du cœur, Mike. J'ai pas de mots en fait. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. Merci. Allez, séisme, ça va le tuer. Oh non! Il est deux fois plus rapide que moi! Oh, j'ai tanké par contre. Okay. Je pensais que j'allais être plus rapide. Je sais pas quoi dire. Merci du coup, mais je sais pas quoi dire. Ok, Flagados. En vrai, je crois que je vais le tabasser, le Flagados, pour peut-être... Ok, je vais laisser mourir TG, je pense. Encore une fois, hein, c'est parce qu'on est en... Oh, les dégâts sont ridicules, par contre. Il faut que je tanque la... Il faut juste que je tanque... Bon, brûle-le au moins. Brûle-le, comme ça, il meurt quand même. Ok, c'est bon. Il a enduré le choc, mais il est mort. D'accord ? Il a enduré le choc, mais il est mort. Donc ça va du coup. Sinon, ça aurait été vraiment abusé. Comme ça, voilà.
Je pense que mon meilleur bet, c'est lui. Deux tonnerres, est-ce que ça va tuer? Parce que le truc, c'est que Roserad, il va avoir des attaques super efficaces sur moi, donc du coup, je veux pas mettre Roserad. Ok, je sais pas si deux, ça suffit. Hein. Il fait quoi, lui, en attendant? Oh, je l'ai paralysé, par contre, c'est bien, ça. Ah, Psycho, ça va faire mal. Ok, ça va. Je veux pas faire ce dresseur avec Archéo, donc je préfère galérer un peu, là. En vrai, je crois que je tue pas. Bon, on va essayer. Après, il va peut-être être paralysé. Oh là là, putain. Allez, paralysie, paralysie. Au moins, il fait psycho, il fait pas ébullition. Parce que là, le truc, c'est qu'il va le soigner. Il va le soigner. Et du coup, est-ce que au niveau des protections et mur lumière, ça va passer? Non, ça va pas passer. Oh non, il a tapé. Il a pas utilisé de... Ok. Si ça se trouve, mec, c'est Nicolas Sarkozy. Ah, vous pouvez trouver l'identité secrète. Merci beaucoup, en tout cas. Ok, il n'y a plus de protection, ça y est. Ok, les trucs s'arrêtent. Ok, il n'y a plus de protection. On va faire changer clair. Parce qu'il va sûrement faire séisme. On va voir un peu ce qu'il a. Faire changer clair. Ok, changer clair lui a fait très mal grâce à un coup critique. Très chanceux, le coup critique. On va mettre Ernestine parce que je pense pas qu'il va faire des attaques. J'ai pas envie d'utiliser mon Archéo, donc c'est ma. J'ai pas envie de l'utiliser. J'aimerais bien réussir à faire 100. Ok. Donc là on va faire demi-tour. On le met à très peu de PV, ce qui est plutôt bien. Il a pas de B-Citrus. Est-ce que Machu le tue de là? Je suis pas sûr. Hein. On va l'intimider là, donc peut-être qu'on peut tanker son attaque. Peut-être qu'il va faire Girobalge. Hein. Oh, parfait. Ok, on tank, on tank. Maintenant, il faut faire des Machouilles. Allez, allez, t'as 130 en attaque ou 120 en attaque? Oui! Oh là 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 là, Napoléon 3! Ok. Est-ce qu'on se laisse mourir là? On va faire Machouille au cas où il... Je peux pas me permettre de prendre un psycho, à part si je mets Archéodong et que j'essaye de me setup, mais du coup c'est moins drôle. Le problème c'est que Mentali doit être tellement rapide que je pense qu'il va dépasser. Donc qu'il va dépasser Ernestine, donc je pense que je dois y aller avec Gricknot et faire Ballombre. Oh, je la fais dangereuse, allez, je me setup pas. Pas de setup. Oh, par contre, il a fait mur lumière, c'est chiant. Figon, pourquoi tu doutes? Parce que, en fait, j'essaie de la faire de manière un peu stylée, là. Oh là là. Pff. Je voulais pas me setup, mais regardez, je crois que je suis obligé de mettre une plénitude, en vrai. Il fait zéro dégâts. Oh, en plus, il a ballon. En vrai, ça va, il a ballon, donc du coup, ça va pas être... Oh, sa mère! Ok, les mecs, je crois que c'est la loose. Tiens coup! Tiens coup! Il n'a pas tenu le coup. Ça sent très très mauvais, les mecs, je vous avoue. Si je suis pas plus rapide que lui, mais je crois que je suis plus lent que lui, donc... Il fait trop mal. Il va one-shot toute ma team. Ah, la défaite! Ok, il va pas... Il faut pas que je m'y prenne comme ça, du coup, hein, c'est sûr. Attends, il me reste pizza, cela dit. On va essayer. Merci beaucoup, Brother. Ok.
On va spammer soin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mur lumière, tout simplement. Là, c'est dur. Hein. Ok, pour l'instant, ça va. Un sub de Mentali. Bah, quand il n'y aura plus de mur lumière, ça ira peut-être un peu mieux. Ok, il n'y a plus de mur lumière. On va faire ébullition. On va essayer de le brûler. Si on arrive à le brûler, il y a peut-être une chance. Ouais, je pense que là... Je pense que là, ça va être risette, hein. Coup critique, peut-être ? Si on le brûle, là, c'est peut-être bon. Après, il va le soigner, là, si je le mets un PV. Ok. Brûle. Ah, putain. Faut que je le brûle, en fait. Si j'arrive à le brûler, c'est bien. Ah, il va utiliser masse guérison, quoi. Est-ce que Pizza va réussir à sauver la situation? Allez! Mais brûle, mais Pizza! You have one job! Après, je peux encore éviter des attaques et tout. Je peux tanker avec un PV. Il y a quand même pas mal de trucs de faisables. Oh là 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 là, ça fait sa mère mal! Il me met 50%, hein. Il me met trop mal. Après, en vrai, à chaque fois qu'il refait mur lumière, j'ai une attaque, quoi. Putain, quel enfer. Mais il faut pas qu'il me crit et tout. Oh là là, c'est mort, quoi. Oh là, ça fait trop mal, putain. Je sais même pas ce qu'il a comme poké derrière, quoi. Oh, j'aurais dû setup Archéodong. J'ai voulu le faire en mode un peu stylé, mais il fallait que je setup Archéodong. Après, attends, je crois qu'il y a plus de mur lumière, là. Ok, il y a plus de mur lumière. Je peux faire ébullition. Oh non, il refait psycho! Oh non, 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 il a... Et le coup critique! Mais putain! Mais quel connard! Allez, moi je peux faire coup critique aussi, peut-être? Oh, brûle! Oui! Oui, le mentali! Le mentali! Filon qui a oublié garde magique de mentali. Ah non, c'est pas garde magique, c'est reflet magique. Là. Ah, j'ai rien oublié. Je pense que c'est toi qui as oublié, là. Ok. Allez, au revoir. Oh! Sa mère. Attends, il va peut-être faire pression. Je crois qu'il a pression. Je pense que c'était très compliqué. Et non, première défaite officielle. C'est trop dur, hein. Bah, J'aurais pu le faire avec Archéodong. Je pense qu'on va devoir le faire avec Archéodong, du coup, les mecs. Ça fait chier, mais... Ok, bah défaite. Du coup, bah on va devoir le faire en mode Archéodong. C'est-à-dire, on va mettre les pièges de rock quand même, parce que c'est gratos. Mais on va mettre Archéodong sur le Monsieur Mime, comme j'aurais fait en Nuzlocke, quoi. C'est un peu chiant, mais bon... Je pensais que ça passerait, je pensais que ça pourrait passer, mais je pensais pas que Mentali... En vrai, si Mentali n'avait pas dépassé le Nostanfer, c'était bon, mais ouais, ça dépassait. Ouais, il faisait trop mal, là, le Mentali. En vrai, il faisait trop mal, le Mentali. Pff, en vrai, ça me fait un peu chier de devoir le faire avec Archéodong, mais bon... Parce que j'ai le contre ultime à sa team. Mais bon, est-ce que ça m'amuse de le faire, tu vois? C'est un peu triste, mais bon. Je peux pas passer le mentali avec Napoléon. Bah, Napoléon, là, il était mort, donc... Non, mais c'est bon, on va le faire. Hein. On va le faire à l'ancienne, comme on dit. Hein. On va faire comme on a fait les deux premières fois, c'est-à-dire on va mettre Archéodong et puis on va gagner. Je suis désolé, hein, mais bon, ça passera pas en... Ces Pokémon sont trop rapides et font trop mal avec Psycho, et du coup j'ai que lui qui peut faire le taf. T'avais pas perdu contre Cynthia la deuxième fois? Ah si, c'est vrai, oui, t'as raison, j'avais déjà perdu contre Cynthia une fois, oui, la deuxième fois. Ouais, ouais, bah c'est forcément quand tu te donnes des objets, des challenges sans objets, c'est plus dur. Parce que tu dois trouver la strat et tout.
Pourras-tu sweep avec Arcanum? Ah oui, oui, bien sûr, je sweep sans souci avec Arcanum. Je pense qu'il n'y aura pas de souci à sweep avec Arcanum. En tout cas, la dernière fois, il n'y avait pas de problème. Hein. Parce qu'on a, on a Psycho, mais on a aussi Balombre, donc du coup... et en fait, l'IA par défaut, ne va pas le faire changer de Pokémon. Donc, j'ai une double résistance au type Psy. Et il est obligé... Voilà, vous voyez, il reste. Et il fait des attaques. Bon, là, il m'a fait un coup critique, je crois. Ah non, oui, si, coup critique, je me disais. Moi, je me setup, en fait. Ton équipe peut pas faire grand-chose contre les types Psy, sauf X-Ray. Bah, non! J'ai Arkeodon, qui est littéralement le meilleur Pokémon du jeu, ou presque, qui n'est pas de type Ténèbres, pour gérer le type Psy. J'ai une double résistance Psy, tu vois, j'ai Plénitude, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est juste que... Bah, voilà, quoi. Voilà, vous voyez les dégâts, hein, c'est... Son Galem qui va juste le raser ton Arcanum. Bah non, parce que j'ai Mur de Fer. C'est ça. C'est ça, le truc. Mais bon, c'est dommage, tu vois. J'aurais bien aimé le faire en mode un peu épique, tu vois. Mais bon, on a essayé. Ce qui est bien avec les challenges sans objet, c'est qu'on peut essayer de les faire en mode épique. Et puis après, si ça passe pas, bon, bah, on fait des techniques un peu plus... tu vois, un peu plus nulles, quoi. Bon, allez, on est à 4 plénitudes, je pense que ça ira... On va mettre Mur de Fer pour Galam. On va mettre Mur de Fer pour Galam. Parce que je veux pas que ce soit trop chiant. Faut que je vois quand la protection s'en va. Ok, j'ai encore un tour du coup. Donc on va faire Mur de Fer. Et après je crois qu'il faut que je tape par contre. On va mettre juste un Mur de Fer. Oh non, mais il m'a recrit par contre. C'est chiant là les crits. Ouais, c'est chiant. C'est chiant le crit d'Azinglim, parce que du coup, maintenant, je dois remettre un Mur de Fer. Très chiant. Ah non, c'est bon, il me restait un tour. Ok. Bah, je dois remettre un Mur de Fer, mais ça va, en vrai, ça va du coup. Ok, bon, là, il me fait vraiment plus de dégâts. On est à plus 4 en défense, plus 4 en défense spéciale, on est bien. Maintenant, là, la protection va s'en aller. Ah ouais, mais on le tuera... Ah putain, non, ça passera pas. Il va remettre la lumière à la fin. Oh là là, c'est tellement chiant, cette version du fight. Ouais. Fuck. Parce que là, en gros, il va remettre protection. Mais après, il va remettre mur lumière. Donc du coup, il est full protégé sous son truc. Et du coup, je pense pas que Balombre va le tuer. À moins d'un crit, peut-être. Ah, je fais zéro. Je fais zéro dégâts, quoi. Parce que là, le mur lumière s'en va et... Bah c'est chiant, mais je suis obligé d'y aller. Hein. Après ça, on a Cynthia. J'espère que Cynthia sera plus facile à gérer. Je pense que Cynthia sera plus... Oh, il a fait éclat magique. Putain, si j'avais su. Mais non, mais je suis trop con. Parce qu'il avait... Le mur lumière avait un tour de retard. Oh non. Oh là 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 là. Il va remettre le mur lumière maintenant. Oh, j'ai envie de me couper la couille. Oh non. En vrai, est-ce que ça passera comme ça? On va voir. Oh là là, il remet la mur en lumière, putain. En vrai, je suis à plus 5 maintenant. Bon, là, il meurt déjà, c'est ça, c'est sûr. Ok, j'ai juste à pas près de prendre de crit. Ouais, je l'avais drop, donc du coup, j'ai pas pensé... J'aurais dû, bon, c'est pas grave. Ok. Et voilà l'Archéodong. Normalement, il a juste genre représailles pour me toucher. Nous, on a Balombre. On le two-shot, on les two-shot quand même. On les two-shot quand même, donc ça va. Ça va. Comme on les two-shot, ça va. Okay, représailles, normalement, s'il me crit pas, ça fait 0. Ah. Oh. Je suis à plus 4. Calme-toi. Ok. Sachant qu'on a encore notre Grolem qui peut tanker une attaque et derrière faire ce qu'il veut et tout, donc ça devrait être pas mal. Ah, il a ça aussi, putain. Je sais pas si j'en aurais assez. Hein.
Parce que là, s'il me brûle... Ah, mais on le one-shot, lui. Coup critique. Oh là là. Merci, Arkeodong. Vous avez vu, c'était un coup critique naturel. C'était pas un faux coup critique de l'amitié. C'était juste un coup critique. Ok, là je pense que c'est bon. S'il avait tanké... Ah, voilà. Il faut juste qu'on tue Mentali, on est bon. Si on tue Mentali, on est bon. Attention, parce qu'il peut peut-être me coup critique sur Ballombre. Auquel cas, lol. Ouais, c'est ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on le tue? En vrai, Mentali, non, on le tue pas, je crois. Putain. Par contre, il va utiliser une guérison, donc c'est bien. Ouais, ouais, ça double les dégâts avec représailles. Bah, ça double la puissance. Pas tout à fait pareil. Allez, Ballombre. Ok, bon, ça va, ça va. En plus, là, je crois que le mur en lumière s'arrête, non? Ah non, c'est protection, pardon. Oh là là. Pff. À la caserne derrière, on n'est pas bon du tout. Mais si, on est bon. À la caserne, il ne fait rien. À la caserne, j'ai un plan. À la caserne, j'ai un plan. J'ai un plan pour le tuer. Je mets gros lème, je fais piétisol. Et derrière, je peux le tuer avec, mon ostenfer. Parce qu'il sera plus lent, du coup. Ah bah le voilà enfin, allez. Coup critique ou ça va? Ok, pas de coup critique, donc c'est bon. Ok. Il m'a baissé mon truc. Après, à la Kazam, dans tous les autres trucs, il avait pas d'attaque pour me taper. Il avait genre... il avait quoi? Il avait... Prescience, Psycho... peut-être qu'il avait pas Ballombre. Ok. Ok, plus de mur lumière, on a la Kalzam, mais on est d'accord qu'il va avoir la ceinture force. Bah voilà, c'est ça, il me touche pas en fait, il a onde de choc. Même s'il me crit, c'est pas grave, tu vois. Faudrait qu'il me crit genre deux fois, quoi. Ah mais il a même pas la ceinture force, il est très facile la Kalzam. Très facile la Kalzam. Ok, c'est bon. Allez. Et du coup c'est bon, il nous manque juste Cynthia et on est bon. C'est parti pour Cynthia les mecs. Putain, il est 23h30 mais c'est parti pour Cynthia. Petit Golem là. Qui va mourir hein. Même s'il me coup critique ça va, même s'il coup critique ça passe. Ok bon, il m'a pas coup critique, on a gagné. Yes, c'est bon. Ouf. Eh ben. Bon, on a perdu la première fois donc il est meilleur que nous techniquement. Genre si j'étais pas en, juste en mode bon bah je veux juste battre la ligue, j'aurais perdu la ligue concrètement hein, donc félicitations, on peut l'applaudir parce que c'est quand même assez rare. Bravo Lucio, tu étais plus fort que moi la première fois clairement. Concrètement tu as gagné hein, c'est juste que j'avais la flemme de tout refaire mais du coup j'ai relancé. Mais concrètement, il avait gagné. Ok, on va utiliser une huile sur Ballombre, comme ça c'est fait. Et on va utiliser, du coup, potion max. Ouais, pour le coup, là, on l'a vraiment fait en mode petite bite, mais bon, je veux dire... Ok, je peux sauvegarder là, c'est plus proche. Ok, c'est parti pour Cynthia. Merci d'être venu, Fifou. Comme tu le sais déjà, je suis Cynthia. C'est un titre qui... Mais c'est pas moi le maître, d'ailleurs, normalement. Genre, je suis pas supposé être le maître, maintenant. Attends. Pourquoi c'est pas moi le maître de le maître, là? Je suis pas supposé être le maître. On met les pièges de rock, c'est gratos. Allez, on essaye de pas le faire en mode Arkeodong. Allez, pièges de rock toujours. Ballombre, est-ce que ça me touche shot? Je pense que ça me touche shot. Ouais, ça me touche shot. Mais en vrai, je suis obligé de... De toute façon, il sert à rien à part faire ça, lui. Hein.
Le début du fight, il a jamais changé. C'est impressionnant. Genre, il a toujours fait pareil. Sauf que quand j'étais en Nuzlocke, j'avais switché plus tôt, mais bon. Et bah l'ombre. Non, en Nuzlocke, j'avais d'abord fait séisme. Ok. Donc ensuite, on met Xavier Frigo et on fait éclat magique. Je sais pas le maître de cimetière. Non, mais vous avez compris, quoi. Allez, éclat magique. Ok. Pardon, j'ai dit le maître de cimetière, je voulais m'excuser. Ah ouais, c'est le fameux Porygon Z avec... avec je sais pas comment... avec machin. Alors on peut peut-être y aller avec Archéodon du coup. S'il fait ultra laser ou je sais pas quoi. Il y a peut-être ultra laser. Oh là là, il a fait ballon direct, merde. Oh la putain. Oh, oh les dégâts. Du coup, on va devoir passer Karchakrok à l'ancienne. Ouh là 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 là. Très mauvaise idée, Fildrong. Niveau 85. Est-ce qu'il est bloqué sur ballon du coup? Oh là là, je suis tellement mort. Attendez. Pourquoi il a fait ballon, ce fils de pute? Ok, attends. J'espère que je dépasse, hein. Attends, parce que ça se trouve, j'ai lose. Je sais pas comment, déjà, je sais... Oh là là, il est plus rapide. Oh, oh non. Je me suis fait read. Oh là là, quel enfer. Bah, je peux plus le passer, je pense, hein. J'ai perdu. Oh putain, quel enfer. Bon. Mais d'où il m'a ride? D'où il m'a ride? Oh mais non, mais il a évité l'attaque. Putain. Mais j'ai miss. Oh, tu vas tanker un PV, il va tanker un PV. Par amour pour moi, Napoléon. Ok, non. bon. Les mecs. Tu viens de te faire anticiper par Cynthia. En vrai, j'aurais dû le laisser. Mais je sais pas ce qu'elle. Je sais pas pourquoi, comment ça se fait, mais bon. Ah, mais non, mais en plus. Oh là, bon, j'ai été con. J'aurais dû faire aéropic puis vol. Et j'ai pas pensé. Bon, de toute façon, là, clairement, j'ai lose. Hein. Je pense que. Je passerai jamais Karchakrok. Hein. Il a fait ballon cette fois. Attends. Oh là 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 là. Ok. On est peut-être un peu vivant, mais on est quand même très très mort, je pense. Mais pourquoi elle fait des rides bizarres, là? Elle a refait Ballombre. Ok. Ok. Voilà pourquoi c'est pas toi le maître. Elle a pas kiffé que tu sois son maître. Ouais, j'aurais jamais dû dire que j'étais son maître, c'était terrible. Ok, 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 ça va. Milobélus. Milobélus. On peut temporiser avec, sur Milobélus. Mais il faudrait que je le toxique en vrai. Non, mais non, j'ai pas d'objet, donc je peux pas. Allez. Cynthia, step up. Bah, c'est vrai que le Porygon... Bah, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ballon, moi. Moi, j'étais en mode, c'est bon, il va faire ultra laser, tu vois. Ça va être tellement chiant. Oh, c'est gentil ça. Merci beaucoup. Alors ça, j'apprécie très fort. Oh. Le coup critique. Ah ouais, mais elle... Oh, le SPDF drop. Mais pizza, le MVP ultime. Pizza, pizza, pizza. Juste pizza. J'ai juste envie de dire pizza. Mais ça passera quand même pas, je pense. Mais pizza. J'avais juste envie de dire pizza. Celle-là, elle va le soigner. Incroyable.
Non mais pizza quoi. Pizza qui tout shot. Pizza qui va tout shot. Mais ouais, mais il y a Lucario, il y a trop pour pizza là. Sans objet, il y a trop pour pizza, c'est trop pour pizza. Ah, oh, il y a le séisme aussi. Non, non, il a fait voir le miroir. Tue-le. OK, oh putain. Oh, il a fait voir le miroir. Il a fait voir le miroir. OK, je suis full life. Je suis full life. Et ah mais il va mettre Togekiss. Non, c'est bon, il met Lucario. Machination s'il te plaît. Non putain, il fait close combat. Oh putain. Oh là là, ça fait beaucoup trop mal. Oh, jamais je peux gérer le Karchakrok les mecs. Hein. Jamais je peux gérer le Karchakrok. C'est dommage, hein, on l'avait bien fait. Hein. Merci beaucoup pour le sub monsieur en tout cas. Après on peut peut-être tanker à un PV. Peut-être que Pizza peut faire un truc. En mode il tank à un PV. On l'a déjà vu, mais bon. Ouais non mais il va mettre Togekiss maintenant. Ouais non c'est mort. Je pense pas que je passe. En fait il faut que j'ai du axe. Il faut que j'ai du axe en mode il va tanker un PV mais je sais pas. Ça me ferait chier en plus de gagner comme ça. Oh il fait que la magique. Ouais. En vrai c'est ça. C'est ça ou c'est mort. Legit hein, je rigole pas hein. C'est legit ça hein. C'est il tanke un PV. Putain il a même mis un coup critique. Non et c'est à partir du moment où j'ai plus Archéodong. Ça passe pas contre Karchakrok. Tu peux gérer s'il va faire dans Slam. Ah ouais, peut-être. C'est vrai. Je trouve ce combat excitant. Allez, si je tanque un PV. Si je tanque un PV. En vrai, il va tanker le laser glace ou pas? Je suis à plus 1 en attaque spéciale. Il est 88. Je suis 88 aussi. Est-ce que je tente le burn là? Je pense que je tente le freeze peut-être. Ouais, mais il fait séisme direct du coup. Allez, pizza! Ça aurait été tellement stylé que pizza. Après, attention! Est-ce que Ernestine peut éviter toutes les attaques? Tu pouvais pas spam les soins sur Togekiss? Bah, s'il fait lame d'air, ça passe pas. En vrai, j'aurais pu, mais c'est vrai qu'il pouvait faire lame d'air. Ok! Ernestine! Tu es l'ultime! L'ultime Ernestine! S'il te plaît! Bah, tente la burn. Ouais, j'aurais. De toute façon, il m'a one shot, donc ça change rien. Ok, donc là, je suis mort, on est d'accord. Sauf si il loupe ses attaques. Et que je mets un crit. Rat! On aura essayé. Alors, ok. On va la faire différemment cette fois. Il faut qu'on change notre tactique. Il faut que notre tactique. Pourquoi passe-moi sur Togekiss? Parce que je pensais qu'il allait faire lame d'air. Je pensais qu'il allait faire lame d'air. J'étais en mode, il faut que je le tue. Mais c'est vrai qu'en vrai, si la situation se reproduit, je peux le faire avec en spammant soin. Après, si Togekiss fait lame d'air, bon, c'est compliqué quoi. Ouais, c'était stylé comme match. C'était stylé. Je me suis un peu fait niquer par le truc, mais on va. Je sais comment on va faire. On va surtout. On va pas mettre Grolem en premier cette fois. On va mettre. Ok. Xavier Frigo en premier. Et on va essayer de one-shot le Pokémon. Let's go. Je peux pas setup Archéodong et Sweep. Si je peux, mais là j'ai fait une connerie et du coup j'ai envie d'essayer. Tout à l'heure, là, Lucio, là, je savais que je pouvais pas le battre avec Archéodong. Enfin, sans Archéodong. Mais là, je pense que je peux la battre sans Archéodong. Donc, il faut juste que je fasse attention. Archéodong, c'est juste pour gérer le Karchakrok. Si j'arrive à avoir Archéodong pour Karchakrok, c'est bon. Normalement. Et pour Togekiss aussi, d'ailleurs. Très fort contre Togekiss aussi. Ok, j'espère que je one-shot. Je pense pas, mais on va essayer. Allez, go. Après, on a notre Grolem en vie. Et Grolem, je rappelle quand même ce qu'il a comme attaque. Hein. Oh, il a fait ballon en plus, il a pas fait psycho. Ça fait très mal, mais ça passe. Oh non, il a Kuba. Oh, il va me tuer avec Kuba.
Non, Xavier Frigo ne sera pas tué par Kuba. Ok. Ok, ok. Ok, voilà le Porygon. On est d'accord qu'il me one-shot, hein. Ok, quel Pokémon ne sert à rien, là? Ernestine, j'en ai éventuellement besoin. En vrai, Ernestine, c'est le Pokémon le plus osef, et en plus, il va pas faire tonnerre. Et du coup, s'il fait pas tonnerre, ça veut dire que je peux l'affaiblir. Ara, ara. Merci beaucoup, Cynthia. Ah, mais bien joué, bien joué, bien joué, hein. Tu m'as... Ok. C'est pas grave, Ultra Laser. Enfin, c'est pas grave, c'est grave, mais... Il vaut mieux que ce soit Ernestine qui meurt. Il vaut mieux que ce soit Ernestine qui meurt. Maintenant, j'espère vraiment que je one-shot avec Bomber, parce que sinon, ça va vraiment être la merde. Ou sinon, j'ai TG qui peut peut-être faire Piétisol, puis Séisme. Non, non, non. Il faut que je fasse Bomber. Pas le choix. Après, je peux peut-être le gérer. J'ai Bomber. J'ai Bomber Specs, mais je pense pas qu'il... Ça le tue. Allez, s'il te plaît! S'il te plaît! Oh, le poison, ok. Attends, elle va faire guérison, du coup. Ce qui veut dire que là, si je crit ou que j'empoisonne, ou que je tombe derrière un PV, j'augmente les ou je miss, ou kill miss. Il y a beaucoup de, petits axes qui peuvent arriver. Allez. Merde, pas le PV. Allez, esquive! Non, il a pas esquivé. Allez, tank à un PV! Bon, ce Pokémon est clairement très dangereux, on va dire. Mais bon, on a encore notre Archéodong. Donc on peut le faire. Oh, s'il te plaît, me frise pas par contre, parce que là, ça va commencer à faire beaucoup. Allez, TG. Fermeté. Ok. Par contre, du coup, j'ai perdu mon Poké pour rien, mais bon. On a toujours pas mis les pièges de roc aussi, mais bon. Ok, Milovenus. Alors, on va essayer de mettre les pièges de roc, parce que de toute manière, il est mort. Donc on va essayer de mettre les pièges de roc. Je veux dire, je vais peut-être tanker avec un PV, lol. Comme tout à l'heure. Oui! Il a enduré le choc! Il a enduré le choc! Incroyable! C'est pas toi qui disais que Porygon Z était easy. C'est easy si t'as ce qu'il faut dans ta team, oui, c'est pas difficile. Il suffit d'avoir un Pokémon plus rapide que lui qui tape un peu fort, tu vois. Mais bon, moi, mon problème, c'est que ma team est extrêmement lente à perdre nos temps faire. J'ai que des Pokémon assez lents, donc... J'ai quand même Tritosaur, Archéodon, Grolem, donc c'est un peu difficile, tu vois. C'est que des Pokémon qui ont... J'ai 3 Pokémon qui ont moins de 40 en speed, tu vois, donc bon, forcément. Ok, alors là, le plan... C'est qu'on va aller prendre le... Après, on peut mettre Napoléon, en vrai. Non, mais on va le faire avec Pizza, en vrai. On va attirer le... Hop. Voilà. On attire. On se booste en attaque, du coup. Ok, merci pour le lavabo, c'est très gentil. Ok. Allez, Theory Force. Oh là là, pizza! Scandale. On va voir si ça va jouer. En vrai, pour l'instant, ça joue pas trop, quoi. Alors là, il faut que je fasse soin. Comme ça, normalement, au tour suivant, il meurt. Ah non, merde, c'est vrai que lui aussi, il fait soin, je suis débile. J'avais pas pensé. C'est vrai qu'il fait soin automatiquement, lui, donc en vrai, ça va être chiant. Oh, ça va être long. Après, mon Telluriforce Force fait très mal, hein, mais bon. J'en ai que 10, hein, faut que je fasse gaffe, hein. Faut juste que j'en garde un pour Lucario. En vrai, si j'en garde un pour... Oh, le Spedèvre, parfait. Si j'en garde un pour Lucario, c'est bon. Normalement, c'est bon. C'est juste que maintenant, Lucario, c'est la version close combat, donc... faut que je me soigne, là, en fait. Le truc, c'est que là, il va se soigner, normalement.
En vrai, du coup, là, on refait Telluriforce vu qu'il se soigne. Ah bah non. Il a fait voir le miroir. Ouais. Putain, mais pizza Tritosaur, les mecs, c'est tellement incroyable en Nuzlocke, c'est incroyable. Bon, enfin, en Nuzlocke, c'est incroyable en aventure plutôt, parce que là, on n'est plus en Nuzlocke depuis longtemps, mais... Ok. Allez, Telluriforce, on prend le close combat. Oh. Alors là, par contre, je suis désolé, mais... Faut vous arrêter, monsieur Pizza, hein. Faut vous arrêter, monsieur Pizza. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Abusé, en vrai. Abusé. Alors ça, par contre, je suis désolé, mais... C'est un scandale. Scandale. Scandale, monsieur Pizza. Oh, ça fait tellement mal, par contre, quand même. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Quand c'est trop, c'est trop pico. Oh, il a tanké. Attends. Faut que je fasse gaffe quand même. Après, elle va utiliser guérison. Son Tritosaur devrait tellement être mort. Ah, écoute, hein. C'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Je veux pas. Tu vois, elle spam les guérisons. Moi, j'ai de la chance, tu vois. C'est honteux. Pizza, qui l'arrêtera? Ok. Ok, il fait des éclats magiques. Oh là, ça fait mid-life, quoi, c'est insane. Putain, mais on lui met R. Faudrait le freeze. Le mec en demande toujours plus. En vrai, le game plan, c'est de mettre Napoléon. Et j'espère que j'entends que deux des attaques, parce que j'ai tonnerre. Sinon, je remettrai Pizza au niveau des PV, ça devrait passer s'il me two-shot. Oh là là, il fait trop mal, putain. Non mais putain, mais... C'est... Ça va vraiment jouer sur le Archéo, donc, hein. Il me two-shot, hein. Putain, mais Togekiss, quoi! Oh! Napoléon dans le choc! C'est un scandale. Incroyable! Napoléon! Qui ne veut pas me décevoir! En vrai, ça change rien parce que j'ai mon Archéodon, mais... C'est chiant, quand même. Oh, mon Dieu. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je remettais Tritosaur, je le tuais, je le laissais mourir sur le Karchakrok, et derrière... C'est pas très grave parce que j'ai Archéodon qui n'est pas touché par Karchakrok. Mais bon. En vrai, je pense que c'est quand même comme ça qu'on va finir. Hein. Allez, tant qu'encore un PV. Oh, dommage. En vrai, on va. Je pense s'il me tue avec Laser Glass, ça change rien finalement. On va voir. On regarde, on check. Allez, Laser Glass. Est-ce qu'il me tue avec Séisme? C'est ça la question. Ah mais il me tue, donc voilà, ça change rien. Il me tue, donc ça change rien. Ça, je trouve, j'ai perdu, hein. Ok, c'est parti pour Grignot. Attendez. Parce que c'est... Là, déjà, ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé. On vient d'en avoir la preuve. Maintenant, attention, parce que... Ok, il fait des lance-lames. Attention, parce que... Attention! Il y a gros danger, hein. Ok, bon, ça va, on lui fait très très mal. Ah non, c'est un coup critique. Ah, il faut qu'on mure de fer. Attends. Ça reste un Karchakrok, hein. Je suis pas setup, hein. Je me suis pas setup sur le... J'aurais pu le setup, mais je me suis pas setup. Oh, ça va faire très très mal, je pense. Il fait tellement mal, ce Pokémon. C'est n'importe quoi. En plus, elle va encore spammer des guérisons. Mais attends, mais j'ai perdu? J'ai reperdu? Non, je pense que je touche shot, mais ça devrait aller. Ok.
Ah ouais, mais elle va se reset up. Faut que je remette un mur de fer du coup. Putain. Quelle pute! Je pensais pas qu'il me one-shotterait avec séisme. Vous avez vu, il a mis 200 PV à mon tritosaur. Hein. C'est incroyable. Pas de crit, s'il te plaît. S'il me crit pas, ça passe. S'il me crit pas, ça passe. Ok, je suis à plus 6. Je pense que le mieux à faire, c'est de mettre une plénitude pour que Psycho... Pour que Psycho fasse peut-être le two-shot. Ok, pas de crit, pas de crit. Ok, plénitude. Les bonnes résolutions, pardon, les bonnes résolutions, là j'ai du mal. Hein. Ok, là normalement, si je spam Psycho, il y a peut-être une chance. Ok, me crit pas deux fois, s'il te plaît. Imagine il crit. Ah bah si il crit, j'ai perdu de toute manière, là il n'y a aucun débat. Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, ça va? Pour l'instant, ça va? Psycho? On va faire Balombre pour pas qu'il soit à portée de kill. Pour pas qu'il soit à portée de guérison. Allez, 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 allez. Deux attaques à tenir. Deux attaques à tenir sans crit. Ok, une attaque à tenir sans crit et c'est bon. Ok, il est pas à portée de guérison. Ok, s'il me crit pas là, j'ai gagné. S'il me crit, j'ai perdu. Allez, s'il te plaît, pas de crit. Une dernière fois, s'il te plaît, Karchakrok. S'il te plaît! Oui! Oh mon dieu! Quel enfer ce combat! Oh! Ok, c'est bon, c'est passé! Ah bah putain! Oh! Eh ben! Incroyable! Parfait! C'était un merveilleux coup. Ah bah là, ce combat, il était fou, hein. Oh. Eh ben... Putain, il est 23h50, hein. Bon, on va pas aller sur Twitch, alors. Hein. Mais, C'était stylé, hein. Tricheur, mais putain, ta mère, la tricheuse, à quel moment j'ai triché? Tididi. Oui, le Panthéon. Lui, il est toujours là, hein. On sait pas ce qu'il fout là. Petit passier. Tu m'as battu avec le pouvoir de l'amitié. C'est vrai. En vrai, sur le dernier combat, le pouvoir de l'amitié n'a pas joué. Parce que le Tritosaur. Ah si, il y a eu Grolem en vrai. Mais je sais pas si Grolem a joué. À moins que si le Lucario est ceinture force, ça a joué par contre. Mais en vrai, je sais pas si ça a vraiment joué parce que. C'était stylé en vrai, mais je sais pas vraiment si ça aurait changé quelque chose. En vrai, je sais pas, je peux pas vous dire. Peut-être, hein, je sais pas. Sur le dernier, là, avec le Tritosaur, ça n'aurait rien changé parce que... Enfin, avec Napoléon, ça n'aurait rien changé, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça n'aurait rien changé. Parce que, vu qu'il m'a one-shot avec séisme, ça servait à rien que mon Tritosaur ait de la vie. Par contre, parce que je le tuais avec laser glace. Donc ça changeait rien parce que de toute manière ça a été Archéodon contre Karchakrok. Donc ça n'a rien changé. Par contre, Grolem, je sais pas, peut-être. Peut-être un peu. Je sais même pas en vrai. Hein. Pas de Twitch. Bah non, il est minuit déjà. Ah, Lucario et ceinture force. Ah, ça a changé alors. Ça a changé des trucs alors. Ça a changé. S'il a la ceinture force, ça a changé. Pas légit, t'avais 10 levels de plus. J'avais pas du tout 10 levels de plus, j'avais 10 levels de moins. Son Karchakrok était plus haut niveau que toute ma team. Qu'est-ce que tu racontes? Les setups, c'est pour ceux qui savent pas jouer. Bah, c'est pour ça que je me suis pas setup, tu remarqueras. Donc je sais jouer. Enfin, je me suis setup pour tanker un Pokémon, mais c'était sur un Pokémon, tu vois. Incroyable victoire. Mes Pokémon sont soignés. Parfait.
Et bah parfait, et bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé ce live, c'était trop trop cool. Merci d'avoir été nombreux quand même pour ce live, parce que en vrai, bah je pensais qu'il y aurait personne. Surtout que bon, voilà, tu savais pas trop. Donc... C'est une boule. Mais c'est de la merde, ce Pokémon. GG, petit cadeau et des os pour Els Cheveux, tout à l'heure plus petit que 3. Merci du fond du cœur, Koskyo, je ne sais pas quoi dire. Mais merci du fond du cœur. Merci à tous pour votre soutien, merci à Mike notamment, à Koskyo également. Merci pour tous vos soutiens, hein. Merci du fond du cœur. Je sais pas quoi dire. Du coup, je vais vous dire le programme, comme ça ce sera plus simple. Donc demain, Super Séduceur sur Twitch. Mais demain après-midi, je pense que je ferai un live sur Twitch où je ferai, je finirai mes Pokémon pour la tour de combat. J'ai presque fini, donc voilà, on fera ça. Puis je vous donnerai des Pokémon aussi sur Twitch, et j'ai des Pokémon à vous donner. Et le soir, ce sera Super Séduceur avec Lady Sunday. J'ai du mal à concentrer. Ensuite, mercredi, on commencera le Pokédex. Mercredi, c'est Pokédex. Là, ce sera en mode live chill et tout. J'espère qu'on sera 4000 pour du Pokédex, donc venez. XD. Et du coup, samedi, live de Noël, où on fera des teams de Noël, on s'affrontera. Samedi, du coup, à chaque fois que c'est le soir, hein, c'est à 21h. Hein, mardi 21h, mercredi 21h, samedi 21h. Et du coup, lundi prochain, la tour de combat en mode expert. Voilà, pour ceux qui je reverrai pas avant lundi prochain parce qu'ils regardent que les lives principaux, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël à tous, si vous fêtez Noël. Si vous ne fêtez pas Noël, bah, je vous souhaite une très bonne semaine quand même. Et je vous embrasse, encore merci du soutien, mettez un pouce bleu si le live vous a plu. Je vous envoie des milliards de bisous, à demain ou à la semaine prochaine. En attendant la prochaine, tchuss.